Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Vision 4 Télévision. On vous présente déjà toutes nos excuses pour le retard. Nous devrions en principe commencer à 21h pour des raisons dues à notamment à quelques soucis de circulation sur l'axe Yaoundé-Douala. Notre invité a eu du mal à rallier Yaoundé. Il vous expliquera tout à l'heure pourquoi. On aura notre format habituel. On aura donc un format de 90 minutes avec peut-être 5 ou 10 minutes supplémentaires. Le programme, c'est bien sûr une semaine en candidat. On a reçu Serge Espoir Matumba Kabralibi. Ce soir, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir l'honorable Joshua aussi. Il est vice-président du Social-Démocratique Front. Il est candidat de ce parti politique à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Avec lui, on parlera donc de son projet de société qui a été présenté il y a peu dans la capitale économique du Cameroun, Douala, avec notamment des grands axes, le SMIC qui passe de 36 000 à 160 000 francs CFA. On parle également de l'ENAM qui sera simplement dissoute. De quoi s'agit-il? Qu'entend-il faire? Réellement, on en parle ce soir avec lui. Je rappelle brièvement son parcours pour qu'on ne perde plus le temps à parler de lui. Joshua Dabangi aussi est né le 9 décembre 1968 à Kumba, au Cameroun, d'un père camerounais et d'une mère suisse. Il a étudié au collège Balia Bamenda puis au lycée bilingue d'application de Yaoundé. En tant qu'homme d'affaires, à l'âge de 20 ans, il s'oriente dans le domaine de l'aviation dont il est passionné. Il commence sa carrière à Douala comme agent des opérations à Lufthansa German Airlines. Puis il évolue au sein de World Airlines et Swiss Air à Genève. Il revient au Cameroun en 2000 et va créer deux entreprises à African Travel Management, Cameroun filiale de Cameroun PLC, filiale de Swiss Airport du Cameroun. L'homme politique, lui, il entre dans le Social-Démocratique Front en 1991. Il est délégué pour le Sud-Ouest de 2002 à 2006. De 2006 à 2012, il est tour à tour deuxième vice-président, puis premier vice-président. En 2013, il est le premier Camerounais à servir comme parlementaire dans la capitale économique Douala. Il occupe le poste de vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il a été donc investi le 24 février 2008 comme président, comme candidat donc du Social-Démocratique Front à l'élection présidentielle à venir. Je rappelle que l'investiture s'est déroulée au cours d'une élection qu'il a remportée avec 98,39% des voix. Il est donc le candidat du SDF à l'élection présidentielle à venir. Face à lui, il y avait de nombreux candidats, mais c'est lui que les militants du SDF ont choisi pour conduire cette formation politique à cette élection présidentielle. Nous avons l'honneur, le privilège de recevoir donc ce soir Joshua aussi. On va prendre une courte transition à la régie et derrière nous serons avec lui. Rappel en ce qui concerne l'actu qu'on attend toujours la nomination des adjoints de l'équipe nationale de football du Cameroun des Nord circule, mais aucune confirmation officielle ni du ministère des Sports et de l'Éducation physique, encore moins de la Fédération camerounaise de football. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Yaoundé Douala, ça n'a pas été facile pour vous ce soir? Écoutez, malheureusement non, mais avec tous les chantiers, beaucoup de véhicules, des accidents et autres qui malheureusement m'ont mis un peu en retard et je demande pardon à tous les téléspectateurs qui ont dû attendre. Vous n'avez pas pris en compte les aléas du temps, de la route peut-être? Mais écoutez, vous savez, quand j'ai accepté de venir chez vous, je vous ai dit que je devais aller à Douala et revenir spécialement pour ça et ouais. Vous étiez d'accord, donc on était tous les deux d'accord sur les aléas. Et voilà, j'y suis et essayons de faire l'émission. L'investiture, c'était l'investiture comme président de la République, vous êtes arrivé en retard?
Ben écoutez, je pense qu'en tant que président de la République, La route aurait été dégagée, c'est ça? On habite déjà premièrement à Yaoundé. Deuxièmement, on ne reçoit pas la date de l'investiture à quelques jours quand on a un agenda aussi chargé que celui que j'ai en ce moment. Donc je sais déjà plus ou moins que début novembre, je serai à Yaoundé pour cela. Donc je n'ai pas besoin d'aller à Douala pendant cette période-là. Les éléments présentés tout à l'heure sont l'œuvre de notre jeune confrère Bruno Bidjan. Est-ce qu'il y a quelque chose à redire sur votre présentation qui a été faite? Écoutez, il y a beaucoup de choses à régler, mais je pense que l'essentiel a été dit et puis il n'y a rien de fâcheux. Il n'y a rien que je dirais. Il n'y a aucune polémique dans ce que vous avez dit. Vous avez sauté quelques Quelques étapes étapes, de mon c'est important pour revenir éducation. sur les étapes, c'est Non, ça je vous. pense pas. Je pense que ça va. C'est si vous voulez, pour tous les téléspectateurs qui veulent avoir l'exactitude de mon parcours, je les invite à aller sur le site aussi 2018.com. Honorable, tous les téléspectateurs n'ont pas accès à Internet. C'est peut-être l'un des problèmes que vous allez résoudre quand vous serez président de la République. Exactement. Donc, Alors, ça veut dire que vous pouvez leur répondre en direct non, je à veux la dire, télé. si j'avais dit que vous avez bien présenté, vous ne m'aurez pas demandé d'utiliser le peu de temps que j'ai pendant cette émission pour parler de mon parcours. Donc je dis, l'essentiel a été dit, il y a des choses qui ne sont pas très justes, mais il n'y a rien d'important qui n'a pas été dit. Voilà. Votre mère est suisse, votre père il est d'où exactement? Il est du sud-ouest. Ma mère est d'origine suisse, mon père est d'origine du sud-ouest. Quel village? Le village s'appelle Madiengolo, vous ne le connaissez pas. Merci pour cette précision. Il y a eu une polémique autour de. On sort de là pour parler de vos origines, autour de votre candidature. Certains estimaient que l'honorable Joshua aussi est suisse et pas camerounais, ou alors bénéficie d'une double nationalité. Cela n'étant pas admis par la législation au Cameroun, tout au moins les lois camerounaises. Comment est-ce que vous avez réglé cela? Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui estiment beaucoup de choses. Aucun de ces journalistes ou de ces personnes ne sont venus me poser la question. Et s'ils étaient venus vers moi, j'aurais donné la réponse qui s'impose. Et je crois que je vis au Cameroun. Je suis. On se connaît depuis un bon moment aujourd'hui. Et je n'ai aucun problème autour de cette question, et donc ceux qui ont voulu créer une polémique m'ont tout simplement démontré et ont démontré à tous ceux qui me soutiennent que ma candidature fait peur à ceux qui sont en place, fait peur peut-être à ceux qui veulent prendre cette place. Et donc pour nous, c'était encourageant de voir qu'on essaye de passer. On essaye de taper en dessous de la ceinture pour essayer de Vous avez un disqualifier un passeport candidat. camerounais ou suisse? Écoutez, j'ai une ma nationalité, c'est ma nationalité est camerounaise, mon passeport est camerounais, j'ai deux passeports, un passeport de service et un passeport ordinaire camerounais. Je suis député de la nation du Cameroun, vous l'avez vous-même dit. Je suis député de Voury-Centre, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, je travaille au Cameroun, je paye mes impôts au Cameroun. Je suis présent à vos côtés, je suis candidat de l'élection présidentielle du Cameroun. Vous m'avez invité en tant que tel, donc ça veut dire que vous n'avez aucun doute, sauf si vous voulez à nouveau relever une autre polémique qui n'a pas lieu d'être. Mais je suis ici en tant que candidat, c'est pour cette raison que j'ai bravé la route Pour répondre à mes questions. pour répondre à Donc vous vos n'avez pas répondu à questions. ma question. Vous avez un passeport suisse, oui ou pas? Non? Vous n'avez pas un passeport suisse? Non? Sauf si vous voulez m'en prêter un ou me donner J'en un. ai pas, je n'en fabrique pas D'accord, ok. pour Ben, le moment. écoutez, la personne que vous devrez inviter par rapport à cette question est en Suisse en ce moment, et c'est aussi un candidat, et un candidat qui vous est cher. Et donc, quand il reviendra et qu'il aura l'amabilité comme moi de répondre à votre invitation, il faudra lui poser la question, comment ça se fait que depuis 36 ans, il passe plus de temps en Suisse qu'ici? Tous les candidats me sont chers, honorables. C'est pour ça qu'on reçoit tout le monde sur le plateau. Je veux bien le croire. Merci. Vous allez le croire pendant l'émission. On parlera d'abord de votre projet de société qui a été présenté hier. C'est un programme politique et pas un projet de société. Vous nous ferez une présentation sommaire. Après, quand on ira sur quelques aspects en programme. En programme politique, c'était également un projet de société, honorable. Vous nous ferez une présentation sommaire. Après, on parlera Monsieur des Obama, aspects spécifiques.
C'était notamment l'économie. Ce n'était pas un projet de société, c'était mon programme politique. Le projet, en quoi est-ce que le programme un projet de société, Monsieur Obama, c'est un projet de société appartient à un parti politique. Et développé, par exemple, pour une élection municipale ou législative, quand tout un parti va à l'élection, un programme politique est celui d'un candidat qui, certes, représente un parti politique, mais qui peut avoir des positions qui ne sont pas forcément celles de tous ceux qui sont dans la grande coalition qu'ils soutiennent. Si je prends l'explication que vous donnez, est-ce que je devrais comprendre que votre programme politique n'est pas celui du SDF ? Non, je suis candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Obama, une élection présidentielle est une rencontre entre un homme et le peuple. Oui. Et c'est pour cela qu'en français, on dit programme politique. Quand on parle de projet de société, il s'agit du positionnement d'un parti politique pour une élection générale. Je reprends dans ma question. Dois-je comprendre que le programme politique de Monsieur Joshua aussi est différent du SDF? Si il n'est pas l'émanation du SDF? Si j'avais, c'est l'émanation du SDF, de la philosophie du SDF, des valeurs du SDF, mais ce n'est pas un copier-coller du projet de société du SDF qui existe. Il y a une sorte de détachement. Écoutez, il y a des positions contextuelles. Un projet de société est à long cours, un programme politique et pour une élection précise. Je crois que dans le projet de société du SDF existant aujourd'hui, il n'y avait pas encore la crise anglophone, donc vous ne pouvez pas en parler. On ne pouvait pas en parler, etc., etc. Donc je vous dis tout simplement, j'essaye de corriger pour qu'on aille tous dans le bon sens. Et je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu dans un débat, je suis venu présenter. J'essayais juste qu'on soit juste avec le français en disant et en parlant d'un programme politique, parce que c'est ce que j'ai présenté aux Camerounais il y a 2 jours et pas un projet. On va parler de la terminologie qui vous semble adaptée. Je dis bien qui vous semble adaptée. Présentez-nous sommairement votre programme. Vous savez, vous pouvez, quand vous me posez des questions ou si j'ai des corrections, vous pouvez aussi accepter. Hein. C'est pas perdre la face que de. Je ne perds pas la face. C'est moi qui suis en honorable politique. Maintenant, vous êtes, j'ai posé une question. Vous répondez maintenant. On ne va pas rester sur les détails. Je veux savoir votre programme politique. Merci. Pour utiliser la terminologie qui est la vôtre. C'est pas la mienne. Est-ce que vous pouvez nous le présenter sommairement avant qu'on entre dans les détails? Écoutez, ce programme politique s'articule autour de 6 grands chantiers. Celui qui m'est cher, c'est celui de l'emploi des jeunes, de l'emploi autour de la jeunesse et surtout de l'emploi jeune. Il y a un grand chantier de redéfinir notre patrie avec tout ce qui ne va plus en ce moment et un exercice de réconciliation nationale. Il y a un grand chantier économique autour de l'infrastructure, autour de l'agriculture surtout. Il y a un grand chantier de gouvernance avec des propositions de réforme, surtout au niveau du foncier, au niveau de la place des exploitations familiales agricoles dans notre société et comment est-ce qu'on peut transformer cette puissance latente que nous avons en véritable moteur économique. Des propositions autour de l'éducation. Vous savez, si notre système éducatif continue à périr de la façon, en fait, à dégringoler de la façon dont c'est le cas aujourd'hui, il est fort possible que demain, nous serons plus un pays pauvre, très endetté, mais un pays ingouvernable. Il y a un grand chantier autour du numérique qui me tient à cœur parce que c'est, je crois, le chantier qui nous offre le plus d'opportunités pour pouvoir améliorer ce pays dans la modernité et véritablement installer une croissance, si possible, à 2 chiffres pour sortir les Camerounaises et les Camerounais du chômage. Je crois qu'en faisant le tour comme ça, en parlant maintenant des détails, ça sera forcément, je sauterai un point ou un autre. Mais voilà les grands axes. Les grands axes, c'est de remettre l'homme au centre de nos préoccupations. C'est de l'emploi jeune, donner une place à la jeunesse dans ce pays, reformer la gouvernance, se réconcilier entre nous, redéfinir notre économie et prendre
l'opportunité, profiter de l'opportunité massive du numérique pour installer une véritable révolution numérique dans ce pays. Et tout ce qui va autour de ces points-là, donc la santé, l'éducation, la culture, les arts, la culture, etc. Donc voilà en gros, pour dire en quelques mots, les points essentiels de votre programme politique. On merci d'avoir utilisé le bon terme. Et j'aimerais juste dire, je sais que vous attendiez peut-être de moi de venir citer les 24 mesures fortes. Non, on va pas revenir sur les 24 mesures. Mais je voulais juste dire, Monsieur Obama, c'est important peut-être pour le répéter, les 24 mesures fortes sont tellement fortes que les Camerounais aujourd'hui, et des fois aussi les journalistes pensent que tout notre programme politique s'arrête à 24 points. Il y a une centaine de points en tout et même plus selon comment on le regarde, mais ces 24 points sortaient de l'ordinaire et c'est pour cela qu'on les a mis en avant lors de la présentation de ce programme. Mais c'était juste une question de forme et pas une question de fond. Le Cameroun est actuellement sous ajustement structurel. Le notamment avec l'épuisement des réserves d'échange, le FMI est là, il y a des contraintes de gestion. Comment est-ce que vous comptez faire pour élargir la liberté, du moins du Cameroun, dans le domaine? Je suis conscient des difficultés que le Cameroun traverse aujourd'hui, des difficultés de gouvernance, des difficultés de mauvaise dette, des difficultés de vision et de cohérence entre la vision et le quotidien. Et donc, il est tout à fait normal qu'on se retrouve où nous sommes aujourd'hui, avec le FMI, avec des situations de tension de trésorerie. On a frôlé la dévaluation du franc CFA il y a quelques mois en arrière, etc. Et je suis membre de la commission des finances et du budget, et donc j'ai un aperçu réel des chiffres de ce pays. J'aimerais juste dire ici que ce que nous proposons n'est pas un bond utopique en avant pour essayer de vendre un programme. Non, nous comprenons que le problème, par exemple, de la dette au Cameroun, c'est que nous avons une mauvaise dette. Nous ne sommes pas surendettés, c'est que la dette est mauvaise parce qu'elle ne produit pas, parce qu'elle est improductive. Vous savez, quand vous prêtez beaucoup d'argent en même temps que pour faire des stades de football que vous allez utiliser pendant 2 semaines. Cela, c'est l'exemple d'une mauvaise dette. Quand vous avez des projets, quand vous arrivez au pouvoir, quand vous vous présentez devant les Camerounais en 2011 et que vous présentez une série de grands projets que vous appelez grandes réalisations et qu'en 2018, au bout d'un septennat, il n'y a aucun de ces projets qui est livré, il y a un problème. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des projets qui étaient prévus sur une durée de 4 ans pour devenir productifs à la 5e année sont encore en projet. Et cela s'appelle une mauvaise gouvernance, cela s'appelle des mauvaises dettes. Et voilà le problème du Cameroun. Et ce que nous proposons fondamentalement, M. Obama, c'est de transformer cela. C'est de mettre en place une gouvernance telle que tous ces projets seront pris à corps le bras, qu'on aura des projets que les Camerounais pourront ressentir quand on endettera le pays, quand on fera payer les impôts aux Camerounais, ils pourront voir qu'ils payent des impôts et qu'ils ne passent plus sur des routes abîmées, qu'ils ont de l'eau potable chez eux, quand on s'endette pour l'électricité, qu'on puisse rentrer chez soi le soir et regarder Obama sur Vision 4, etc. C'est ce que nous proposons aux Camerounais. Donc nous ne sommes pas dans la logique des contraintes actuelles, tout simplement parce que les contraintes que le Cameroun a aujourd'hui, et la première de ces contraintes, c'est M. Paul Biya. Donc quand le FMI s'invite dans notre gouvernance financière, ce n'est pas parce que nous sommes pauvres, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les moyens, ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à collecter assez d'impôts pour payer nos dettes, c'est parce que nous sommes mal gouvernés. Et le FMI ne vient pas au Cameroun pour sauver une situation de famine ou je ne sais pas trop quoi. Comment faites-vous pour arrêter la récurrence des crises? C'est ça le problème. Mais il faut faire partir celui qui invite ces crises au Cameroun. Le problème, c'est le président Biya. Mais écoutez, la gouvernance du président Biya. Voilà le problème. Parce que le FMI, le programme économique du FMI au Cameroun le programme du FMI au Cameroun, le programme économique, est un programme de gouvernance. Ce n'est pas un programme de prêt.
C'est pour ramener, restructurer nos finances publiques, les assainir, faire en sorte que l'impôt que nous payons puisse servir au bien-être du quotidien des Camerounais. Voilà la raison pour laquelle ils sont là. Et donc, si on avait un gouvernement performant, si on avait des structures performantes, si on avait un leadership qui était présent et qui véritablement voulait un meilleur avenir pour le Cameroun, on n'aurait pas besoin du FMI. Et c'est pour cela que je suis confiant qu'une fois que nos mesures, nos réformes et tout ça entreront en jeu, le FMI n'aura plus besoin d'être là. Parce que vous savez... Les mesures, les réformes, lesquelles ? Écoutez, je ne peux pas toutes les citer ici. Quelques-unes peut-être pour édifier les téléspectateurs. Il y a des mesures, par exemple, sur la TVA. Une des dettes en interne, c'est juste un exemple qui me vient à l'esprit à l'instant. Un des problèmes aujourd'hui des entrepreneurs camerounais, c'est les crédits de TVA. Les crédits de TVA n'ont pas lieu d'être. C'est une dette qui démontre à merveille la mauvaise gouvernance de ce gouvernement. La mauvaise gouvernance et le manque de leadership de M. Biya. Et le crédit de TVA, c'est quoi? C'est que l'État ne rembourse pas l'argent qu'ils ont encaissé en avance des contribuables qui sont au bout de la chaîne, au début de la chaîne plutôt, de la TVA, si on regarde ça en tant que contribuable. Et donc, il n'est pas question, dans un pays qui a une taxe comme la TVA, avec tout ce que la TVA rapporte, d'asphyxier encore une fois les entrepreneurs par rapport à cette taxe-là. Et qu'est-ce qu'un pays normal fait? Et qu'est-ce que je propose dès le 8 octobre? C'est de mettre sur pied une régie spéciale pour gérer la TVA, pour que ce soit plus discrétionnaire, que ce soit plus une décision politique de rembourser la TVA. Je mettrai en place un compte séquestre avec au moins 10% de la TVA récoltée pour être sûr qu'il y ait une liquidité permanente pour rembourser les crédits TVA et qu'on ne rembourse pas les crédits TVA comme on le fait au Cameroun aujourd'hui, comme si c'était des remises de peine le 20 mai, d'ailleurs que ça fait longtemps que c'est plus arrivé, ou le 1er janvier. Non. Quand vous entrez dans un contrat avec l'État, les impôts, c'est un contrat. Et il faut avoir l'obligeance de rembourser ces crédits TVA et à temps pour que ces entreprises puissent vivre. Donc ce n'est qu'un exemple, je peux citer beaucoup d'autres, mais c'est juste pour dire que le problème du Cameroun, par exemple, avec la dette que l'État envers les entreprises, donc cette dette intérieure qui vient des crédits TVA, n'est pas une dette d'absence de liquidité ou une dette de trésorerie, c'est une dette de gouvernance. Parce que cet argent, ils l'ont récupéré, au lieu de le garder quelque part pour rembourser ceux à qui on doit rembourser, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tout l'argent pour s'offrir du champagne et pour la grande vie. Et c'est normal qu'après, ils n'arrivent plus à rembourser tous ces entrepreneurs. Il y a beaucoup d'autres mesures de ce genre que nous proposons dans notre programme politique pour assainir les finances publiques, pour ramener la confiance, pour encadrer les entreprises, parce que nous reconnaissons, et d'ailleurs ça sera le cas dès le 8 octobre, nous reconnaissons que c'est le privé, et seul le privé qui doit être le moteur économique d'un pays, et nous ferons tout pour remettre le secteur privé à sa place. En lisant votre programme politique, on est tombé d'accord sur la terminologie, je me suis rendu compte que vous entendez modifier le système monétaire. Est-ce que vous pouvez être clair, nous expliquer les trois principales options que vous proposez? La création d'une monnaie, y a-t-il la création d'une monnaie souveraine? Je ne sais pas où vous avez pris les trois principales options. Vous expliquerez alors. Vous inventez quelque chose que je n'ai pas écrit. J'ai dit et j'insiste et je le ferai. J'établirai la souveraineté monétaire du Cameroun. Je n'ai pas dit que je le ferai en trois points. La souveraineté monétaire du Cameroun est une condition, absolue pour qu'on ait une souveraineté totale dans notre pays. Le 7 octobre, quand les Camerounais vont m'élire, ils vont élire un président de la République du Cameroun. Et ce pays est censé être souverain. Donc il n'y a aucune partie de ce pays que je laisserai aux mains des autres. Qu'est-ce voilà que vous mettez en souveraineté monétaire? Qu'est-ce qui sera fait concrètement? La souveraineté monétaire, ça veut dire que la monnaie est un instrument régalien, est un instrument économique, est un instrument de souveraineté. Et nous ne pouvons pas
avoir un instrument de souveraineté que d'ailleurs nous partageons avec d'autres États de la sous-région Afrique centrale, mais nous ne pouvons pas avoir une monnaie souveraine qui, dans laquelle et dans son fonctionnement et dans sa structuration, qu'il y a un autre pays qui est en dehors de ces pays-là, qui a un droit de veto et qui est membre du conseil d'administration de la BRIC. Cela suppose la réforme du CFA ? Cela suppose effectivement la réforme du CFA, cela suppose effectivement de redonner la souveraineté aux pays membres de la CEMAC, aux pays membres de la BEAC, pardon, et de donner surtout l'opportunité à cette monnaie-là d'être un véritable vecteur de développement. Pour l'instant, c'est un instrument de stabilisation, et moi je dis, peut-être en 1950 on en avait besoin, peut-être en 1960 on en avait besoin, mais je n'oublie pas qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont donné leur vie pour l'indépendance de ce pays. Et cette indépendance, il faut pouvoir avoir le courage et la force de l'achever après le 7 octobre. Bon, on reste dans le CFA ou on réforme simplement ? Écoutez, pour moi déjà, l'appellation CFA renvoie à une histoire douloureuse de ce pays. On l'appellera comment votre monnaie quand vous serez là ? Non, laissez-moi finir. Je dis, l'appellation CFA déjà renvoie à une histoire douloureuse de ce pays dont je ne suis pas de ceux qui pensent que cette appellation doit rester. Qu'on ait une monnaie commune avec les autres pays d'Afrique centrale, c'est une très bonne chose. Si on pourrait même avoir une monnaie commune avec tous les pays d'Afrique, ça serait encore mieux. Donc je travaillerai dans ce sens-là pour faire en sorte que ce CFA aille même plus loin. Mais vous savez, il ne faut pas avoir peur de toucher au symbole. Et il ne faut pas oublier une chose. Je suis élu par les Camerounais, pour les Camerounais et pour les Camerounais uniquement. Et donc je défendrai les intérêts des Camerounais jusqu'au bout. Et un intérêt, un pan de la souveraineté d'un pays, c'est sa monnaie, qu'on le veuille ou pas. Et donc, il faut absolument avoir le courage d'engager, de s'engager sur ce chantier-là pour ramener de l'ordre dans notre politique monétaire nationale. Pour l'instant, nous sommes un pays à moitié indépendant, sans monnaie, parce que nous n'avons pas la souveraineté de notre monnaie. Je ne veux pas ici dire que les équilibres en place me dérangent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est que nous devons absolument avoir une monnaie que nous contrôlons. Et si nous contrôlons cette monnaie, elle ne doit pas être assujettie à une autre banque centrale en dehors de celle des pays membres. Et il ne doit pas avoir d'autre nationalité que celle des pays membres au sein du conseil d'administration. Et si droit de veto, s'il faut un droit de veto au sein de ce conseil d'administration de la Banque centrale, que ce droit de veto soit entre les mains des pays qui détiennent cette monnaie-là. Vous savez, vous ne pouvez pas, vous, accepter de créer une entreprise, d'avoir des actionnaires dans cette entreprise et de mettre sur pied un conseil d'administration comme la loi le prescrit et de donner un droit de veto à des membres du conseil d'administration qui ne sont ni actionnaires, ni employés, et qui n'ont ni partenaire de cette entreprise-là. Donc il faut comprendre que cette question de la souveraineté monétaire est centrale et c'est un point essentiel pour la libération économique de ce pays. Parlons d'un projet, là vous ne me direz pas que je suis allé prendre des chiffres ailleurs. Vous souhaitez faire passer le SMIC de 36 000 à 160 000 francs CFA, c'est pratiquement 4 fois et demi ce que représente le SMIC au Cameroun maintenant. Comment vous faites ? Écoutez, monsieur le directeur, Monsieur Obama, je vous appelle directeur parce que j'espère que dans votre entreprise, il n'y a pas de gens payés en dessous de 100 000 francs. Et c'est juste pour dire que si vous êtes un bon directeur, c'est comme ça qu'on le mesure. Donc je serai président de la République dans le même sens. C'est-à-dire que je ne veux pas être président de la République avec des Camerounais qui gagnent moins de 160 000 francs. Mais c'est pas je la, me suis donné, la déclaration je me suis fait donné, ne suffit pas. Comment on fait pour avoir l'argent Je me suis donné 5 ans pour y arriver. Donc premièrement, j'aimerais éclaircir une chose, c'est que ça sera progressif. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ma proposition de loi... Progressif, est-ce que c'est détaillé dans le temps? Oui, dans le temps, oui. Très bien.
Écoutez, ma proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale il y a 4 ans, qui a été bloquée par le RDPC, et on ne peut plus clair là-dessus. Dans mon projet politique et économique, j'ai été clair là-dessus. J'ai dit que c'est sur 5 ans. Ça veut dire que c'est une progression sur 5 ans. Vous divisez la différence entre 36 000 et 160 000. Vous indexez là-dessus la croissance qu'on apportera et ça vous donne une idée de la progression. Mais il est évident, Monsieur Obama, il est évident que c'est nécessaire parce que ce n'est pas une mesure qui assèche les entreprises. C'est pour relancer la consommation. Vous savez, vous-même, vous allez profiter de cette mesure. Parce que quand le salaire le plus bas sera de 160 000 francs, vous aurez à nouveau des annonceurs à votre télévision. Okay, parce qu'il y aura des gens capables d'acheter. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à vivre de ce travail. Et 160 000 francs, d'après nos calculs, c'est le minimum nécessaire pour un petit foyer, un couple avec un enfant, sinon deux, pour survivre. Ce n'est même pas vivre. Mon ambition, c'est d'aller au-delà de 160 000 francs. C'est d'aller loin au-delà. Mais je me donne comme objectif d'atteindre 160 000 francs en 5 ans. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien de construire des autoroutes, ça ne sert à rien de construire des ponts, ça ne sert à rien de construire des barrages. Si les Camerounais ne peuvent pas s'offrir des téléviseurs, s'ils ne peuvent pas s'offrir des réfrigérateurs, s'ils ne peuvent pas même être propriétaires d'une moto, etc. Et c'est pour cela qu'il faut s'attaquer et avoir le courage politique de s'attaquer à des chantiers qui relèvent le niveau des Camerounais. Donc il ne s'agit pas, comme vous essayez de le présenter, rabaisser les patrons. Non, ils en profiteront. Certes, quand vous commencez avec un projet comme celui-là, au départ, il y a des réticences, au départ, il y a des changements structurels, etc. Mais ensuite, il y a toute la société qui se relève. Pourquoi ? Parce que... Sauf que ce n'est pas le seul projet. Vous parlez de l'assurance maladie, vous parlez d'augmentation des salaires des fonctionnaires, vous parlez de plusieurs autres projets qui semblent irréalistes. C'est difficile à réaliser. Mon plus grand projet, et celui qui me tient le plus à cœur, c'est l'emploi de jeunes. Okay ? Et un emploi décent. Et un emploi décent parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer les jeunes avec des machettes et des bottes trouées au champ. Il s'agit de faire en sorte que les jeunes puissent à nouveau rêver d'avoir une famille, rêver d'envoyer leurs enfants à l'école dignement. Il s'agit de redonner la dignité à tous ces gens-là. Vous savez, quand je demande de doubler quand je dis que je devais doubler aussi sur une période de 5 ans les salaires des fonctionnaires, c'est très simple, n'oubliez pas qu'en 1994, ces mêmes fonctionnaires ont perdu 70% de leurs revenus. N'oubliez pas aussi qu'entre 1994 et aujourd'hui, l'inflation représente presque 2 fois ce qu'ils ont perdu. N'oubliez pas aussi, je parle d'index là, n'oubliez pas aussi que ces fonctionnaires sont ceux qui sont au service de l'administration du public camerounais. Vous ne pouvez pas vous attendre d'avoir un pays qui fonctionne normalement, qui avance, qui progresse, une croissance économique, quand les fonctionnaires, ceux qui sont censés réguler tout ça, ceux qui sont de l'administration, n'arrivent pas à aller au travail. Honorable. Okay ? Donc moi, je vous donne déjà la position politique. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption quand les gens n'arrivent pas à payer leur taxi pour aller au travail. Maintenant, comment est-ce que vous le finissez ? Nous sommes d'accord que les salaires sont bas, qu'ils n'ont jamais atteint le niveau des années 90. C'est bien la première fois qu'on est d'accord. Mais des arguments économiques. Comment on fait pour avoir l'argent, pour que le SMIC passe de 36 000 à 160 000, pour qu'on double le salaire des fonctionnaires, pour qu'il y ait une assurance maladie ? En crée, l'argent, il vient d'où ? Monsieur Obama, oui, président. Je veux prendre l'exemple de votre entreprise, pour ne pas aller très loin. Ok, Vous m'envoyez très souvent des photos sur les réseaux sociaux. On est d'accord là-dessus. Dernièrement, vous étiez à Bangui dans un avion privatisé pour une cérémonie là-bas. C'est une très bonne chose. Je vous en félicite. Okay ? Mais ça veut dire que votre entreprise a assez d'argent pour relever les salaires les plus bas. Et c'est de ça qu'il s'agit.
si le Cameroun vit de ce la façon. Pas le cas de l'État. Si le Cameroun, j'ai dit. Ce n'est pas le cas de l'État camerounais, puisque on a reconnu que la condition soit justement structurelle. Laissez-moi répondre. Mais allez-y, allez-y. Laissez-moi répondre. Vous n'allez pas comparer le groupe anecdote au Cameroun. J'ai pris l'exemple du salaire du SMIG que je souhaite à 160 000, relever à 160 000 dans le groupe anecdote d'ici 5 ans. Le doublement des salaires à la fonction publique et bien sûr les salaires les plus bas de la fonction publique suivront la règle du SMIG est très simple. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une déperdition énorme dans le solde de l'État. Ce n'est pas pour rien que le ministre des Finances, ministre après ministre, fait cet exercice de comptage du personnel de l'État où on trouve des milliers et des milliers de postes qui sont régulièrement payés, des gens avec 66 salaires, etc. Il y a d'énormes poches dans le fonctionnement de l'État. C'est là qu'il faut prendre de l'argent pour pouvoir. Qui font en sorte, bien sûr, qui font en sorte. Écoutez, je n'ai pas dit que je double du jour au lendemain. J'ai dit que c'est progressivement. Plus on travaille, plus on assainit, plus on arrive à trouver des économies. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, M. Obama, aujourd'hui, dans le fonctionnement, les frais généraux représentent presque la moitié de la solde de l'État. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Il n'y a aucune explication. Okay. Mais vous savez pourquoi ça arrive ? Parce que chaque ministère, chaque délégation, quand on les construit, on dépense des sommes énormes pour avoir des salles de conférence. Mais depuis que je suis député, figurez-vous que je n'ai jamais été invité, sauf chez le gouverneur du littoral, à une réunion qui se tient dans ces bâtiments-là. Vous voulez écouter les réunions se tiennent dans les hôtels, avec des services traiteurs, etc. C'est une bonne chose. Mais nous n'avons pas ce que je suis en train de dire, j'y arrive, s'il vous plaît. Nous n'avons pas les moyens de cette politique-là. Pourquoi ? Ou nous voulons changer cette politique-là. Pourquoi ? Parce que quand je serai président, les salaires des fonctionnaires seront relevés en prenant l'argent. Là, il faut, parce que cet argent, ces conseils d'administration interminables, ces commissions qui se commissionnent et qui se recommissionnent, etc. Tout cela, toutes ces dépenses-là, je préfère le mettre sur le bulletin de paye. Comme ça, le fonctionnaire X, Y ou Z aura un salaire digne de ce nom, va retrouver sa dignité, ne pourra plus courir sur le prétexte qui ne gagne pas assez sa vie pour trouver un autre travail, pour abandonner son poste, etc. Et pourra surtout commencer à investir, c'est-à-dire qu'en début de carrière, il gagnera assez d'argent pour aller à la banque avec son bulletin de paye et obtenir de l'argent de cette banque-là pour se construire un logement digne de ce nom, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe avec la situation de M. Biya, c'est que les Camerounais arrivent à trouver, quand ils ont beaucoup de chance, arrivent à trouver une occasion, une opportunité économique pour se construire pour la retraite. Alors que ce qui se passe dans toutes les économies qui se respectent, c'est quand on entre dans la vie active, quand on s'achète un appartement, quand on se construit une maison, etc. C'est au début, les 10-15 premières années, voilà les projets de début. Aujourd'hui, les projets de début au Cameroun, ça se limite à se marier, ça se limite peut-être à avoir quelques enfants, et quand on est chanceux, acheter une voiture. Voilà. Et donc, il faut redonner cette grandeur. J'ai compris. Il faut redonner cette grandeur à la jeunesse. Et il faut avoir le courage politique de prendre des mesures qui sont des mesures que vous allez pas comprendre, parce qu'au bout de 30, 36 années de déformation dans la compréhension de ce qu'un pays doit être. Honorable, laissez-moi vous poser une question. Alors, si je comprends bien, votre augmentation des salaires, votre SMI qui passe de 36 000 à 160 000, la base de vos données, c'est l'argent qui viendrait des pertes dues à la corruption. Non, vous mélangez, monsieur Obama. Je ne mélange pas. Non, vous me laissez parler. Est-ce que vous me laissez poser la question? Vous mélangez. Non, posez-la bien. Je la pose. Non, mais. Vous ne m'avez même pas laissé poser la question que vous Mais la première partie est bien. Vous ne pouvez pas mélanger les deux mesures. Je ne mélange pas les deux mesures. Je pose encore la question clairement. Je suppose. Allons sur le SMIC, ou tout au moins le salaire des fonctionnaires. C'est pas la même chose. Allons sur le salaire des fonctionnaires. Laissons le SMIC. Oui. Salaire des fonctionnaires. Vous dites que vous allez augmenter le salaire des fonctionnaires, sur quelle base, d'où viendra l'argent? Vous me dites que vous prendrez l'argent sur les incohérences qu'il y a dans la gestion des finances publiques entre l'argent qui est investi et l'argent qui est consommé. On n'a pas l'impression, laissez-moi poser la question, oui. On n'a pas l'impression que vous avez une base claire
D'où viendra l'argent et qui peut expliquer aujourd'hui l'augmentation des salaires? Mais monsieur Obama, au moins avant de préparer l'émission, vous aurez dû parcourir mon programme politique. Vous aurez vu. Vous êtes là pour expliquer le programme. C'est pas moi, je l'ai lu. Expliquez aux téléspectateurs qui vont voter. Dites-moi, expliquez. Ne me dites pas, il semble que vous ne l'avez pas. Parce que si vous l'avez vu, ayez au moins l'honnêteté de dire j'ai vu quelque chose, expliquez-le. Expliquez ce que vous comptez faire au J'aimerais juste. C'est pas moi. Vous n'avez pas me convaincre. Il faut convaincre les téléspectateurs. C'est vous qui. À travers vous, les téléspectateurs. Donc, quand vous posez la question, posez la question pour me permettre de donner la bonne réponse. Je vous ai dit aujourd'hui que d'après les institutions de Bretton Woods, si nous sommes dans un programme économique, si nous sommes aujourd'hui sous la coupe du FMI, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème fondamental de gouvernance financière. Et c'est chiffré. Aujourd'hui, ça représente à peu près 70%. 70%, monsieur Obama, ça représente aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à peu près 70% okay, de fuite sur le sol de l'État, c'est-à-dire que de l'argent qu'on pourrait capitaliser dans les salaires des fonctionnaires. Et le drame, c'est que ces 70% ne vont que, ne vont que dans une petite minorité, c'est-à-dire que ça va dans l'élite, si vous voulez, de la fonction publique, parce que c'est eux qui assistent à des séminaires, c'est eux qui ont des frais de transport, c'est eux qui ont les bons de carburant, c'est eux qui ont toutes ces primes extravagantes qui ont été créées pour créer une sorte de situation de rente permanente pour suppléer les salaires. Et vous savez où c'est mauvais, c'est que ça, tout cela existe et le gouvernement du Cameroun, le président de la République, l'utilise pour garder sa fonction publique plus ou moins sous contrôle. Donc, au fait, on sait très bien que M. X, Y ou Z gagne 250 000 par mois, mais on lui donne une Prado comme véhicule de service et on s'attend qu'il fasse quelques séminaires et d'autres choses, des bons de carburant à gauche, à droite. Il faut pouvoir avoir un cas similaire. Hein. Pardon? D'une fois qu'on puisse avoir un cas d'un Camerounais qui gagne 250 000 francs et qui emprunte une Prado. On parlait de la fonction publique. Même dans la fonction publique, c'est pas possible. Écoutez, donc vous ne connaissez pas la fonction publique. Et quand on dit, heureux de recevoir un poste où quelqu'un a 250 000 francs par mois et qui a une Prado. Quand on dit aujourd'hui qu'on double les salaires de la fonction publique, peut-être il y a aussi et votre position me reconforte. Il faut je aussi. Pas de position. Non, vous venez de la donner que vous doutez fort qu'il y ait des gens à la fonction publique qui gagnent 240 000 francs. Je peux vous 250 dire, 000 francs. 250 000 francs. Voiture de service. Je vous dis premièrement que ça existe. Deuxièmement, ce que je veux vous dire ici, c'est que les fonctionnaires au Cameroun sont très mal payés. Okay. Et donc, si vous voulez avoir une fonction publique efficace et performante, il faut avoir le courage de doubler. Je vous ai dit que cela représente à peu près 70%. Mais je vous ai aussi dit que je le ferai en 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'on doublera du jour au lendemain. D'accord. Donc, demain matin, pour les premières augmentations, l'argent est disponible. Il suffit tout simplement de faire des réaménagements budgétaires qui s'imposent. Et ces réaménagements s'imposent partout. Vous avez des lignes budgétaires, par exemple, qui ne veulent rien dire, comme les dépenses communes, qui ne veulent absolument rien dire, qui, pour 2018, représentent quand même 245 milliards. Okay. Vous avez un travail qu'on a fait au sein du groupe parlementaire du SDF à l'Assemblée nationale, où on a vu, preuve à l'appui, que sur 3 années, il y avait 792 milliards budgétisés pour les frais généraux. Cet argent ne va pas, ça va indirectement vers les fonctionnaires, mais ça ne va pas directement. Et ce que je veux, c'est que quand on envoie cet argent directement aux fonctionnaires, dont nous avons de quoi, le budget actuel a de quoi financer le départ de ce programme. C'est-à-dire que même si on le démarre avec une augmentation de 20%, on a des marges telles qu'on n'a absolument aucun problème là-dessus. Mais maintenant, si on vient ajouter à cela deux éléments. Le premier élément, c'est celui d'avoir une fonction publique sincère. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce pays où on n'a que 300 000 employés. C'est 10% d'une très grande entreprise dans le monde. C'est rien. Et on n'arrive pas à savoir où ces employés sont, ni s'ils travaillent, ni s'ils existent. Il faut arrêter.
Donc, il faut revenir à des bases saines de cette gestion. Et c'est cela, la gouvernance, c'est ce que décrit le FMI et tous les autres partenaires du Cameroun. Et il faut revenir à une gestion saine de ce gouvernement pour pouvoir savoir exactement combien de fonctionnaires nous avons, où est-ce qu'ils sont. Et puis, vous avez la deuxième approche qui est probablement la plus importante, c'est que fondamentalement, je propose que le pouvoir revienne au peuple. Et pour que le pouvoir revienne au peuple, il faut une forme de gouvernement qui est fédérale. Et quand il y aura une forme de gouvernement... On en parlera. Quand il y a une forme... Laissez-moi répondre. On parlera de la politique. Je ne parle pas de la politique. Je parle de là où je prends l'argent pour le doublement des salaires des fonctionnaires, M. Obama. Donc, permettez-moi de répondre aux questions que vous me posez. Allez-y. Donc, quand on prend le cas d'espèce... d'un État fédéral, ce qu'on gagne, on gagne en efficacité auprès de l'administration. Parce que vous savez, aujourd'hui, je prends des exemples, je peux prendre n'importe quel exemple, mais quand vous avez, par exemple, un département qui n'a pas de pêche et vous avez un délégué de la pêche là-bas, je prends un exemple, je peux prendre n'importe quel exemple, ça, c'est l'inefficacité du centralisme qui le fait. Et donc, quand vous... Vous allez donner, et c'est quoi le fédéralisme? C'est tout simplement pour donner l'argent à l'endroit, là où il faut. D'accord. Et donc, quand vous allez remettre l'argent à la région du centre, ou vous remettez l'argent à la région du nord, la région du nord et le gouvernement local de la région du nord saura où exactement cet argent est nécessaire et sera aussi où les ressources humaines sont nécessaires. C'est que vous n'aurez plus les cas de figure où vous avez des lycées fantômes, où vous avez vous envoyez des gens compter les fonctionnaires, etc., etc. Vous n'aurez plus ce cas de figure parce que vous gagnerez en efficacité et donc nécessairement aussi vous allez pouvoir avoir un solde qui est un solde de la fonction publique qui est beaucoup plus sincère, qui reflète beaucoup plus la réalité que ce qu'on a aujourd'hui. Votre fédéralisme, on en parlera tout à l'heure, mais juste une question pour sortir de votre projet lié à l'augmentation des salaires et du SMIC également. Le gouvernement a essayé plusieurs initiatives. C'est un programme, pas un projet. Plusieurs initiatives, l'Antilope, le CJPES, et aujourd'hui l'opération de comptage physique qui a été menée... avec succès par le ministre des Finances. C'est vous qui dites que c'est avec succès. Comment est-ce que vous entrevoyez, comment vous allez faire pour avoir de meilleurs résultats dans votre opération d'assainissement? Écoutez, M. Obama, chez moi, on dit que le poisson pourrit par la tête. Et donc, quand la tête est pourrie, vous ne pouvez pas nettoyer la queue et le servir et dire que vous est-ce avez que c'est amélioré. Passé bien, c'est une belle pirouette. Le problème est un problème de gouvernance généralisée dont l'effectif de la fonction publique n'est que la pointe de l'iceberg, si même c'est la pointe. C'est, pour moi, ce n'est même pas la pointe, il y a d'autres pointes. C'est justement ça ma question. Qu'est-ce que vous faites pour que la gouvernance ne soit plus là, du moins la malgouvernance ne soit plus généralisée? Dans tous les cas, vous utilisez honorables. Ce seront les mêmes Camerounais, les mêmes fonctionnaires. Comment vous faites pour réussir là où monsieur n'a pas réussi? Monsieur Obama, ce ne sont pas les fonctionnaires le problème. Ce sont les politiques qui sont censées gérer ces fonctionnaires qui sont le problème. Vous comprenez? C'est là où vous vous trompez. Je vais, les mêmes fonctionnaires, ils seront mieux payés, mieux déployés, mieux utilisés et ils travailleront mieux. Et les Camerounais seront plus contents. Et il y a plusieurs mesures là-dessus. Si on parle de mon plan de la révolution numérique, vous verrez qu'il y a tout un chapitre là-dessus. Comment rendre... la fonction publique, l'administration plus efficace, comment la dématérialiser, etc., etc. Donc, si on dématérialise l'administration, on aura 10 fois moins de problèmes que ceux qu'on a aujourd'hui, déjà avec le nombre de fonctionnaires. Parce que, vous savez, si aujourd'hui on ne sait pas combien de fonctionnaires on a, c'est que fondamentalement on a un problème. Si en plus... du nombre qu'on sait qu'on a, on ne sait pas où ils sont, c'est qu'on a un deuxième problème. Premièrement, une des premières mesures qui concernera un tout petit peu cela, c'est que les fonctionnaires seront recrutés par les départements dans lesquels
il travaille. C'est-à-dire qu'un ministre sera responsable de tous ceux qui sont dans son administration. On n'aura pas besoin d'un ministère de la fonction publique pour ça. Parce qu'on ne sera plus dans un système central, comprenez? Donc vous aurez des ministres qui rendront compte et qui auront un devoir de reddition des comptes. Ils auront des objectifs clairs qui ne viennent pas juste rendre compte en fin d'année auprès du Parlement, où ils viennent nous dire tout et n'importe quoi et que personne ne peut vérifier, mais ils rendront compte devant le peuple camerounais, il y aura des mesures de transparence, le président de la République va se présenter devant le Parlement au moins 3 fois par an pour venir expliquer ce qu'il a fait, pour venir dire où sont les blocages, où sont les difficultés, pour... S'il le faut, demander qu'il y ait des collectifs budgétaires pour arriver aux objectifs socio-économiques qu'il s'est fixés en début d'année. Le ministre des Finances se présentera au moins 4 fois par an pour donner l'état, pour présenter l'état financier du gouvernement devant les parlementaires. Et à ce titre, il devra dire exactement combien de fonctionnaires sont payés tous les mois, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils rapportent à l'État. Donc, vous savez, on va sortir de ce flou généralisé qui, comment dirais-je, qui profite à tout le monde pour aller vers un management qui, autour des objectifs, un management qui mesure la performance des départements, qui mesure la performance aussi des secteurs, etc., pour qu'on ne soit plus dans des situations où on vient vanter les projets, où on vient vanter les politiques, mais sur les faits, on ne voit rien. Il y a toujours autant de coupures d'électricité, il y a toujours autant de nids de poules sur les routes, il y a toujours autant de misère dans la population, etc. Quand vous serez dans mon gouvernement, le ministre de l'Agriculture, il aura un cap à tenir. Il faudra qu'il présente à la fin de l'année ce qu'il a fait dans l'année. Et le ministre en charge de l'économie aura le même cap. Si je lui demande de créer 500 000 emplois, on met des projets en place, on finance ces projets-là. En fin d'année, il devra nous présenter ces 500 000 emplois, pas dans un salon au Hilton en lisant un discours, mais sur le terrain, en allant voir où les gens travaillent, en posant des questions, en dialoguant avec eux. Vous saurez ce que c'est la différence d'un président de la République qui va sur le terrain, qui est au contact du peuple, qui va voir qu'effectivement, quand on dépense 4500 milliards, les Camerounais en profitent. On va sortir de l'économie avec une dernière question. Le Cameroun a signé les accords de partenariat économique. Je me trompe peut-être, mais vous semblez être d'accord. Je vous ai suivi chez nos confrères de Equinox. Et puis, il y a peu, on a également rejoint la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale. Comment on fait pour que les entrepreneurs camerounais soient prêts à affronter cette concurrence qui vient d'ailleurs? Comment est-ce que vous entrevoyez le partenariat public-privé? La première chose que les entrepreneurs doivent faire, c'est de d'élire un président qui comprend l'entrepreneuriat et qui est entrepreneur. Quand vous avez un président de la République qui n'a jamais vendu un bout de pain, vous avez les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et il faut comprendre que quand je dis que les APE... Qu'est-ce que vous ferez pour comment est-ce que vous entrevoyez l'entrepreneuriat? Quand je dis... Laissez-moi finir. Allez-y. Quand je dis que les APE... Vous attaquez plus au président Biya qu'il est fait. Quand je dis, c'est vous qui le dites. Moi, je dis les problèmes, les voilà. Maintenant, comment on trouve des solutions? Quand je dis que les APE, ce n'est pas les APE qui sont mauvais, mais ceux qui sont supposés faire profiter les entreprises camerounaises des opportunités offertes par ces APE, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans un pays où vous avez malheureusement un gouvernement, une administration qui est en porte-à-feu, qui est en conflit permanent avec le secteur privé, et vous attendre que ce secteur privé puisse porter... la croissance de ce pays puisse profiter des accords qu'on vous force de signer, parce que vous ne signez même pas de votre plein gré, et puisse... Vous savez, les APE donnent... Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, vous dites ce qui n'est pas fait. Je ne peux pas le dire si je n'ouvre pas ma bouche. Laissez-moi. Je n'ai pas dit ce qui n'est pas fait. Allez-y. Je vous dis, vous ne pouvez pas, ok, vous ne pouvez pas profiter d'un accord de partenariat économique, quel qu'il soit, si les entreprises... ne bénéficient pas du soutien manifeste de l'État. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Vous signez un accord avec les Européens,
Les Européens vous donnent même de l'argent pour mettre à niveau vos entreprises. Cet argent finit plutôt dans les ministères que de finir dans les entreprises qui sont censées recevoir cet argent. Et même quand l'argent va dans les entreprises, ce sont des entreprises qui ont été créées à dessein pour recevoir cet argent. Donc je suis en train de dire qu'il n'y aura aucun accord de partenariat sous ma présidence qui fait en sorte qu'on arrive à déséquilibrer les échanges de commerce, aujourd'hui la balance commerciale aujourd'hui déjà précaire de notre pays. Et il n'est nullement question, pendant ce septennat, de pousser, comme le gouvernement actuel le fait, à l'importation, mais plutôt à l'exportation. Et pour cela, il faut s'occuper de l'entreprise. Pour cela, il faut mettre en place un environnement je ne veux pas utiliser les termes consacrés, mais un environnement qui pousse même les jeunes qui sont en dehors du circuit de l'entrepreneuriat, etc., de rentrer dedans. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, par exemple, mon fils voulait ouvrir une entreprise, il n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas 20 ans. C'est quand même un problème. Aujourd'hui, quand vous ouvrez une entreprise, vous savez, par exemple, pour entreprendre, il ne faut pas de l'argent. L'argent, c'est le résultat de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un coût d'entrée. Mais au Cameroun, puisqu'on a un gouvernement qui n'a jamais entrepris, un président encore moins, ils ne comprennent pas qu'on doit mettre sur pied un système qui pousse les gens à transformer leurs idées, leur travail en résultat économique, c'est-à-dire en argent. Et on fait croire aux gens que la condition pour entreprendre, c'est d'abord d'avoir de l'argent. Mais c'est le résultat de cette entreprise. Et c'est ça le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est de pouvoir permettre aux gens d'entrer dans le monde entrepreneurial, d'entrer, dans le monde des affaires, sans qu'il y ait tous ces freins. Au Cameroun aujourd'hui, la première des choses, quand vous créez une entreprise, il vous faut X, Y jours, il vous faut payer ceci, il vous faut payer cela, il vous faut payer ceci. On crée une entreprise au Cameroun en un jour désormais. Alors, c'est la création de l'entreprise, ce n'est pas aller s'inscrire au registre du commerce, encore moins aller voir un avocat. Il est évident aujourd'hui que si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez créer votre entreprise en un jour, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez, un entrepreneur aujourd'hui... Il y a une entreprise qui a été créée pour la circonstance, pour faciliter la création d'entreprise en un jour. Ben, c'est ce que vous dites, mais ce n'est pas ça la création d'entreprise. Ça, c'est la partie administrative de l'entreprise qui est toujours un problème. Maintenant, quand l'entreprise, quand vous avez vos documents en main pour trouver un local commercial, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande 12 à 24 mois d'avance. Vous trouvez que c'est normal? Pour avoir votre premier contrat, on vous demande de donner la preuve que vous avez déjà eu du contrat avant cela. Même dans la commande publique, il est impossible pour un entrepreneur qui se lance de faire plus que du 4-9, tout simplement parce que le gouvernement fait tout pour fermer la porte. Et vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont censés améliorer le climat des affaires, je ne voulais pas utiliser le terme, mais je l'utilise. Ceux qui sont censés améliorer le climat des affaires au Cameroun sont eux-mêmes, parce qu'ils sont mal payés à la fonction publique, des actionnaires dans des entreprises. Okay? Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent toute la commande publique vers eux et les leurs. Et ça, c'est un problème. Et donc, ne venez pas me dire qu'on a créé une entreprise pour faire un papier en une journée. Ce papier en une journée, on devrait pouvoir le faire en ligne. Dans mon gouvernement, vous n'aurez pas besoin d'aller à un guichet, vous pourrez, au bout de votre tablette, de votre ordinateur ou de votre téléphone, créer votre entreprise. Et ensuite, toutes les autres mesures doivent être prises. Comment est-ce qu'on encadre l'entrepreneur? Comment est-ce qu'on commence la relation entre les impôts et cet entrepreneur, etc. Dans mon gouvernement, M. Obama, par exemple, pour parler des impôts, J'aurai une administration fiscale indépendante, une administration du revenu indépendante, qui ne sera pas attachée à un ministère, qui aura des objectifs à atteindre, qui aura comme premier objectif l'accompagnement des entrepreneurs. Ils ne seront pas là pour sceller les comptes et sceller les bureaux, ils seront là pour faire en sorte que les entrepreneurs puissent effectivement travailler pour payer les impôts. Il y aura... Dans mon administration, M. Obama, pour continuer sur cette lancée, il y aura un office de poursuite et des faillites. Pourquoi il faut un office de poursuite et des faillites? Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez pour une entreprise, vous pouvez même être le troisième... Pas compris, office de quoi? Des poursuites et des faillites.
Pourquoi ? Poursuite et faillite. Oui. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous travaillez pour une entreprise, je prends un exemple de base. Vous travaillez, vous êtes une entreprise X, Y, Z. Vous offrez des services ou des produits à telle autre entreprise qui, elle, travaille pour l'État, ou directement même pour l'État. Disons que vous offrez vos services à la Sonara. Je prends un exemple au hasard. La Sonara est dans l'incapacité de payer vos services, tout simplement parce que l'État lui doit de l'argent. Vous êtes incapable de payer les impôts parce que la Sonara ne vous paye pas. Quand les impôts viennent vous fermer, les impôts ne prennent pas en considération que vous avez 50 ou 100 salaires à payer à la fin du mois, ils ne prennent pas en considération le fait que c'est dans ces 50 employés, il y en a qui sont peut-être malades ou d'autres. Non, ils viennent, ils ferment. OK ? Et ils ferment pourquoi ? Parce que l'entreprise n'a pas été payée par la Sonara et la Sonara n'a pas payé parce que l'État n'a pas payé sa dette à la Sonara. Qu'est-ce qu'un office de faillite et des poursuites fait ? Il met tout ce circuit en cohérence. Okay ? Pour que quand la Sonara ne me paye pas, je dépose à l'office des poursuites. Je ne suis pas un juge. L'office des poursuites n'est pas un juge. L'office des poursuites permet d'améliorer la relation entre les créanciers et les débiteurs, de telle sorte que si l'État doit de l'argent à la Sonara et la Sonara ne peut pas payer ses factures au fournisseur X, le fournisseur X, en allant vers cette entité-là, cette entité pourra dire à l'État ou aux impôts ou aux services du fisc que non, nous ne pouvons pas aller prendre l'argent que cette entreprise vous doit. Parce que nous devons de l'argent. Voilà, parce qu'il y a tout assuré. Et autre chose, et dans ce dispositif-là, les inspecteurs des impôts ne seront plus les censeurs du monde économique. Pourquoi ? Parce que les impôts... Ils viendront d'où ? Ils seront formés où ? Ils ne seront plus les censeurs du monde économique. Pourquoi ? Parce que les impôts iront à ce même office dire que Vision 4 nous doit 10 000 francs. Okay, et c'est cet office qui viendra vers Vision 4 et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il y aura un intermédiaire entre le fisc pour le recouvrement et les faillites, et les poursuites, et les créanciers. Parce que vous ne pouvez pas en même temps être le commercial de l'État, vouloir vendre l'impôt, faire en sorte qu'on élargisse l'assiette, mais vous passez 29 des 30 jours à fermer des boutiques, à poursuivre des gens, à envoyer des lettres menaçantes, etc. Donc vous ne pouvez pas faire les deux. Ça n'existe nulle part. Même dans votre entreprise, vous avez des commerciaux et vous avez des gens en charge du recouvrement. Les deux, vous ne pouvez pas faire les deux. Donc c'est exactement, mon gouvernement sera exactement comme ça. Il y aura un office spécialisé pour ces recouvrements-là et le fisc sera là pour accompagner les entrepreneurs pour faire en sorte qu'ils soient encore plus performants. Et je veux finir pour sortir parce que vous regardez votre montre, pour vous dire que en 36 ans, mon prédécesseur n'a jamais... Votre prédécesseur ? Mon prédécesseur, parce que c'est ce que ça sera, n'a jamais... ne s'est jamais présenté devant les Camerounais avec des entrepreneurs camerounais. Et je loue d'ailleurs jamais. Il ne s'est jamais présenté devant les Camerounais. Jamais. Quand vous regardez Vision 4 et vous voyez les images de la présidence de la République, quand c'est le monde économique qui est autour du président, ce sont des Blancs. Et ce ne sont pas des Blancs camerounais. Je n'ai jamais vu le président de la République avec des hommes de recevoir en audience tel ou tel ou tel homme d'affaires camerounais. Le président voyage régulièrement avec des hommes d'affaires camerounais. Écoutez, on l'a vu en Italie. Maître Monsieur Tawa, ambassadeur maître 30, en Chine en septembre. Mettre 30 personnes en classe économique dans un avion qu'on a loué tout simplement pour se faire accompagner. Et quand on revient, et très souvent même, ces places-là sont, comment dirais-je, sans monnaie, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Monnayer. Je ne rentre pas dans cette polémique-là, M. Obama. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais vu le président de la République taper sur la table quand un entrepreneur camerounais était en difficulté. Je n'ai jamais vu le président de la République intervenir ou essayer de nous montrer qu'il intervient dans un dossier qui concerne un entrepreneur camerounais. Jamais. Tout ce qu'on voit, c'est quand il y a des étrangers qui arrivent au Palais de l'Unité, ils y sont reçus en grande pompe, on nous dit que c'est telle et telle entreprise. Aujourd'hui, à Google, vous cherchez l'entreprise, vous ne trouvez même pas. Vous cherchez le nom de la personne qui le voit, qui est venu voir, vous ne le trouvez même pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette manière de faire, de croire
que les entrepreneurs camerounais sont en concurrence avec le gouvernement, sont plutôt un problème parce qu'on ne veut pas que la richesse se crée, on ne veut pas, c'est-à-dire on a des fonctionnaires riches, mais on ne veut pas qu'il y ait, et quand je dis fonctionnaires riches, c'est l'élite de la fonction publique, et on ne veut pas qu'il y ait de la richesse au niveau du secteur privé, va s'arrêter le 7 octobre. Quand vous avez dans une administration un fonctionnaire hyper riche, c'est qu'il y a un problème dans cette administration. D'accord, c'est parce que en anglais, le terme fonctionnaire, c'est civil service. Et ce sont des gens qui sont au service de la nation. Ils ne sont pas là pour se faire de l'argent. Ceux qui voudront se faire de l'argent le 8 octobre, nous leur donnons les mêmes opportunités qu'on donnera à tous les jeunes Camerounais d'aller créer leur entreprise. On va les accompagner, on va tout faire pour stimuler la croissance, pour qu'ils puissent en profiter, mais ils n'auront plus leur place dans la fonction publique. Voilà, nous sommes toujours avec le candidat Joshua Oussi, candidat du social-démocratique Front à la présidentielle à venir le 7 octobre prochain. On prend une respiration et derrière nous parlons des questions politiques. Retour sur le plateau de décryptage, on va parler, évoquer à présent des questions d'ordre politique qui ressortent dans le programme du candidat Joshua Oussi, le programme politique. On parlait d'un État fédéral avec 10 États. Sur quoi repose cette proposition ? Elle repose sur le constat que la forme unitaire qui nous a, c'est comme le CFA, hein, c'est un héritage colonial, il faut avoir le courage de mettre fin. Et c'est pour ça que je dis le 7 octobre, les Camerounais auront la possibilité de finalement se libérer et de voter pour l'indépendance du Cameroun, parce que même la forme de l'État que nous avons est un héritage colonial. Et il a été mis sur pied pour que le colon puisse continuer à se servir de son ancienne colonie sans trop de problèmes. Et c'est pour cela qu'on a cet arrangement que nous avons aujourd'hui. Et la seule façon de gérer un pays, quand on est dans une démocratie et quand on veut améliorer les conditions des Camerounaises et des Camerounais, quand on veut vraiment travailler pour son peuple, c'est de remettre le pouvoir au peuple. Et qu'est-ce que ça veut dire remettre le pouvoir au peuple? C'est le fédéralisme. On s'est rendu compte que cette façon de faire ne fonctionne pas et on a voulu introduire un autre machin qui ne fonctionne pas du tout et qui n'a jamais fonctionné quelque part, qu'on essaye d'appeler la décentralisation. La décentralisation n'est qu'un fédéralisme contrôlé. C'est un fédéralisme, c'est un système fédéral sans pouvoir. C'est-à-dire qu'on donne les obligations au peuple, mais on retient les bénéfices pour le gouvernement central. J'en veux pour preuve, on remet l'éducation de base aux mairies, on oblige les maires à construire les salles de classe, mais c'est le ministre qui nomme les enseignants, qui décide même où l'école sera et tout le reste. Donc ce que nous disons, c'est que le pouvoir doit véritablement revenir au peuple. Et pour que ce pouvoir revienne au peuple, il faut qu'ils se gouvernent eux-mêmes. Parce qu'ils savent mieux ce dont ils ont besoin au niveau du développement local que nous, que les gens d'Yaoundé, que les gens qui sont à Yaoundé. Dont les 10 États correspondent aux 10 régions du Cameroun, je suppose. Écoutez, la proposition, le nombre d'États ne devrait pas être le débat, c'est la forme qui est le débat en ce moment. La proposition d'aller dans le contour des régions actuelles que nous connaissons actuelles, c'est pour ne pas avoir trop de changements. Et cela peut changer par la suite. Mais vous savez, l'être humain a besoin du management d'un processus du changement. Donc, passer directement
de l'État ultra-unitaire dans lequel nous sommes pour un État fédéral. Oui. En changeant encore les contours des régions telles qu'elles sont, ça fait deux changements. Donc c'est pour ça que nous proposons, pour aller de la manière la plus douce possible, donner déjà le pouvoir au peuple, et puis ensuite s'accorder avec le peuple s'il faut un nouveau arrangement sur ces contours-là. Donc je pense que les contours actuels peuvent être utilisés. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas la priorité, les contours. La priorité, c'est que les Camerounais reçoivent à nouveau le pouvoir qui est le leur. C'est-à-dire que quand il y a de l'argent, quand il y a de l'argent prévu pour la région de l'Est, que cet argent aille à Bertois, que ça se loge pas quelque part à Yaoundé où les gens de l'Est doivent encore venir faire des courbettes, etc. S'il y a de l'argent pour la ville de Yokadouma, cet argent doit aller dans la ville de Yokadouma et c'est eux là-bas qui vont gérer leur développement local. Bien sûr, l'État fédéral garde toutes les fonctions régaliennes, toutes les fonctions de souveraineté et on transfère, en fait on ne transfère pas parce que ça c'est la décentralisation, on donne dans la Constitution tous les départements, tous les secteurs de développement local et surtout les petits secteurs sociaux aux régions et aux communes et on les finance, on prend la part du budget national qui était gaspillé dans le centralisme autour des mêmes secteurs pour l'affecter directement dans ces régions et dans ces communes pour que les maires et les présidents de région ou les gouverneurs de région élus, les deux élus, peuvent directement activer le développement local que c'est prévu par cet argent. Et donc, comment on passe de l'État ultra-unitaire, pour reprendre votre expression, à l'État fédéral? C'est un décret du chef de l'État que vous serez peut-être ou c'est pas un voie référendaire? Non, c'est une modification de la Constitution. Simplement. C'est une modification de la Constitution peut être faite de deux façons. Non, soit, le peuple ne va pas. Soit par le Parlement qui se réunit en congrès ou alors par voie référendaire. Mais je pense que je suis le candidat qui propose de redonner l'argent aux Camerounais là où l'argent doit aller. Et donc je propose le fédéralisme. Et quand les Camerounais vont me donner le mandat de gouverner ce pays pendant 7 ans, ce mandat sera inclusif du projet, du programme qui est le mien. Et dans ce programme, il y a une part... Il faudra bien contrôler le Parlement parce que la loi passera par le Parlement. Mais bien sûr, Monsieur Obama, mais bien sûr. Mais vous savez quoi? J'ai pas encore vu 3 parlementaires qui sont contre cela. Donc il faut faire une distinction entre... les situations de fait aujourd'hui, parce qu'on a un président qui n'est pas présent et qui gouverne par la peur, selon vous. Et des discussions ouvertes pour le bien-être des Camerounaises et des Camerounais. Je n'ai pas vu beaucoup de parlementaires qui sont contre la croissance économique. Je n'ai pas vu beaucoup de parlementaires qui sont contre le bien-être des Camerounais. Et ces propositions sont des propositions pour le bien-être des Camerounais, pour un pays qui devient finalement plus solide, plus uni, pour un pays plus fort, pour que le développement local soit véritablement à la base. Et donc, je ne vois pas en quoi ça dérangerait un parlementaire, même s'il n'est pas de mon parti, pour y aller. Mais bien sûr, Monsieur Obama... un des premiers projets politiques quand j'arrive à la présidence de la République, c'est bien sûr de remettre en place un Parlement qui reflète finalement les aspirations du peuple camerounais. C'est-à-dire que dans le séquencement, il faut revoir le code électoral, il faut revoir la composition... Élection à 2 tours, Délécam, par exemple, avec une élection à 2 tours. Et ensuite, dans la foulée, il faut des élections municipales et législatives pour donner à nouveau aux Camerounais ces représentants-là, ces maires et ces députés qui pourront porter le programme qui est le mien. Et ça ne se fera pas, ça sera une majorité d'idées. Ça ne se fera pas cantonner seulement sur des lignes... je dirais des lignes partisanes, parce que vous savez quoi, quand M. Biya ne sera plus président le 8 octobre, vous serez surpris du nombre de personnes, de pseudo-militants du RDPC qui iront cacher leur tenue de parti et leur carte de parti. Donc je dis, et je le répète, et il faut le savoir, on ira vers des élections,
Les élections ne se tiendront pas dans un an, comme M. Biya le veut, parce que la prolongation du mandat n'oblige pas de tenir les élections à terme. Ça donne juste la légalité aux députés et aux maires de rester en place pendant un an, dont les élections peuvent être appelées dès le mois de décembre, dès le mois de janvier. Dès que vous êtes élu. Donc, et je l'ai dit à l'Assemblée nationale, quand on était contre la prolongation du mandat des députés, malheureusement minoritaire avec 18 députés, j'ai pris la parole et j'ai été clair là-dessus. J'ai dit ne vous réjouissez pas trop parce qu'en décembre, il y aura des élections. Honorable, dans votre projet ou programme, vous parlez d'une capitale qui sera délocalisée. La capitale fédérale, elle sera où? Alors, j'ai jamais dit ça. Qui ne sera pas Yaoundé? Non, je n'ai jamais dit j'ai ça. Moi, j'ai lu dans votre Monsieur programme Obama, que la capitale ne sera pas Yaoundé. Elle sera Obama, où? Votre capitale fédérale sera où? J'ai vu dans vos notes que vous avez lu le programme en français, pas celui en anglais. Et en français, comme en anglais, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que je vais délocaliser le chef-lieu de la région du centre dans un autre chef-lieu de département dès que j'arrive à la présidence de la République pour une simple raison. Il faut aider, premièrement, il faut avoir cette vision politique du développement local, c'est-à-dire il faut donner la chance à une autre localité de la région du centre d'accueillir le chef-lieu de la région du centre, parce que Yaoundé, c'est déjà la capitale et restera la capitale. Elle sera la capitale fédérale, il n'y a aucun doute là-dessus. Le chef-lieu de la région sera où? J'ai dit une autre localité dans la région du centre. Mais écoutez, l'important, ce n'est pas où ça ira. Les propositions, je demanderai aux différents départements candidats. Donc votre programme n'est pas établi, il est en... Monsieur Obama, je suis... Monsieur Obama, il n'y a rien de perpétuel. Je suis un homme politique. Et je suis en position de leadership depuis un certain temps. Et je sais prendre... le poids des décisions qu'on doit prendre. Si je vous dis aujourd'hui que le chef-lieu de la région de centre ira à Bafia ou à Konolinga, et que demain j'arrive à Konolinga et je n'ai pas, les réserves foncières nécessaires pour construire tous les bâtiments qui accueilleront l'administration, qu'est-ce que je fais? Je commence à délocaliser à Konolinga? Non, c'est pour ça que avant je faire la proposition. Souffrez de m'écouter, monsieur Obama. Avant de faire la proposition, honorable, vous auriez dû faire ce travail-là. Non, la proposition n'est pas où elle va aller, c'est la sortir de la ville de Yaoundé pour que Yaoundé reste une véritable capitale. Une capitale n'a rien à faire avec une région. N'oubliez pas que, quand toutes ces dispositions étaient prises, c'était des dispositions coloniales. Et moi, je suis en rupture avec ces dispositions-là. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne comme avantage? Ça donne premièrement l'avantage qu'une autre localité de la région du centre peut profiter et croître avec tout ce qu'apporte un chef-lieu de la région. Premièrement. Deuxièmement, ça renvoie une partie de la population de la ville de Yaoundé vers une autre localité à côté, et ça aide à décongestionner la ville de Yaoundé. Les embouteillages dont j'ai souffert aujourd'hui pour arriver à vos studios vont diminuer. Le problème d'eau qui n'arrive jamais à satisfaire la population parce qu'elle croit plus que le nombre de tuyaux qu'on met par terre, etc. On pourra commencer à trouver des solutions comme celle-là. Vous comprenez? Donc la proposition n'a jamais été de délocaliser la capitale fédérale. Elle sera à Yaoundé, elle restera là. Ne vous inquiétez pas, d'accord, monsieur Obama. Je n'ai pas d'inquiétude. La prochaine fois, peut-être, si je ne viens pas pendant la campagne ou si vous m'invitez pendant la campagne, la fois d'après, l'interview sera bel et bien au Palais de l'Unité et nulle part ailleurs. je vois, vous êtes très serein et optimiste. Hein, bon, parlons de l'ENAM. J'ai lu, et là j'ai lu en français, que vous comptez dissoudre l'ENAM. Pourquoi? Alors, j'ai dit supprimer l'ENAM, je n'ai pas dit dissoudre l'ENAM. C'est pas la même chose. Une grande différence. Laquelle? Parce que quand vous... Je ne veux pas rentrer dans la polémique. Allez-y. Quand vous supprimez, ça veut dire que vous mettez fin à... Et quand vous avez utilisé quel terme? Dissoudre. Quand c'est une dissolution, ça veut dire que, au fait, c'est dans la précipitation et avec tout. Ce que je suis en train de dire, Monsieur Obama, allez-y. Ce que je suis en train de dire, oui, c'est que l'ENAM
est un legs colonial. L'ENAM symbolise tout le mal que les Camerounais ont avec l'administration. Moi, je veux une administration proche des Camerounais. Je veux une administration efficace. Je veux une administration qui sort de ces écoles à matricule pour rentrer dans la méritocratie, pour rentrer dans le service aux citoyens, etc. Moi, je propose de passer de notre État, je dirais, dans les, qui fonctionne encore avec des dispositions coloniales, vers un État fédéral. Donc ça veut dire que je n'ai plus de sous-préfet, je n'ai plus de préfet, je n'ai plus de gouverneur nommé, mais j'ai des gouverneurs élus, j'ai des maires de villes élus, j'ai un gouvernement local issu de ces élections, etc. Donc je n'ai même plus besoin de ces fonctionnaires-là à ces places-là. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut avoir le courage de supprimer les symboles qui nous tirent en arrière. Et ça n'a rien à voir avec les individus issus de cette école ou qui y sont. Ce n'est pas une critique de la qualité, et je connais, et je le dis, et je le répète. J'ai l'impression que vous n'avez pas la plénitude, la connaissance de ceux qui sont formés à l'ENAM. L'ENAM, ce n'est pas seulement les administrateurs civils. Posez-moi des questions, ne jugez les pas inspecteurs mes réponses. Des... Vous avez le droit de répondre à mes questions, mais moi, je n'ai pas le droit de vous répondre. Monsieur Obama, les inspecteurs des impôts, Obama, ils seront formés où? Les services des impôts dans le monde entier ont des centres de formation, recrutent du personnel. On parle du Cameroun, je n'ai pas parlé du monde entier. Mais c'est le Cameroun qui est retardé, le monde entier avance. Et je veux que le Cameroun rattrape le monde. Donc, excusez-moi, si je prends des exemples qui marchent, permettez-moi de vous amener vers les exemples qui marchent et de ne pas me rétrograder dans des exemples qui ne marchent pas. Le monde entier sait comment on recrute des fonctionnaires du fisc, on sait comment on recrute des fonctionnaires de la douane, on sait comment on recrute des fonctionnaires de la magistrature. Ce que nous proposons, par exemple, pour la magistrature, comme dans le monde entier, M. Obama, c'est que des facultés de droit et des instituts d'études juridiques dans lesquels vous-même, quand vous ne voudrez plus être journaliste, si jamais ça arrive et vous voulez devenir magistrat, vous voulez changer de carrière, vous pouvez, après un diplôme de droit, rentrer dans cet institut-là qui vous forme et ensuite trouver du travail dans l'administration judiciaire comme magistrat. Pardon ? Ça se fait déjà. Oui, ça se fait déjà. Système LMD. Ça se fait déjà dans le système LMD, mais ça sera plus ça sera plus seulement un slogan, mais une réalité. Pourquoi? C'est déjà la réalité. Monsieur Obama. C'est déjà la réalité. L'ENAM, je ne parle pas des NAM, je parle des Camerounais qui peuvent repartir à l'école. Ce n'est pas de ça, je suis en train de vous dire que ceux qui veulent rentrer dans la magistrature, ceux qui veulent devenir des huissiers, des greffiers, citez-moi tout ce que vous voulez, dans la fonction du corps judiciaire, okay, auront des écoles auprès de toutes les facultés de droit, des universités d'État, qui d'ailleurs seront indépendantes, pour former ces gens-là, qui pourront ensuite cogner à la porte de la fonction publique dans ces structures-là. Qu'est-ce qui va changer? Pardon? Dans ces écoles, il y aura toujours des concours? Comme à l'ENAM. Écoutez, je crois que vous n'arrivez pas à sortir du cadrage colonial qui est le vôtre vers la libération. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui voulez absolument sortir du cadrage colonial au point où tout ce qui va changer, c'est le nom ENAM. On aura d'autres écoles dans les universités qui auront le même fonctionnement que l'ENAM. Monsieur Obama, permettez-moi de vous dire que je ferme un symbole. Je ne ferme pas l'administration de la justice, je ne ferme pas l'administration pénitentiaire, je ne ferme pas les douanes, je transforme les douanes, je ne ferme pas les impôts, je transforme les impôts, je ne ferme pas les structures. Excusez-moi d'aller jusqu'au bout, je ne ferme pas les structures d'accueil de ces étudiants-là. Ce que je fais, c'est que pour rentrer dans ces structures, vous n'avez plus besoin de passer par une école de formatage. Cette école est un legs colonial où les gens sont formatés, pas pour être au service des usagers,
pas pour être au service du peuple, mais pour être au service du président de la République. Et c'est ça le symbole qu'on essaye de tuer. Ça, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je peux vous dire une chose. Non, dès qu'on le fera, non, honorable, arrêtez de dire que ça, je ne peux pas comprendre. Ça, c'est faire une vue à Je le vois. Je comprends. Si vous voulez absolument. Ce que j'étais en train de dire, c'est que vous, au bout de 2 ou 3 années, vous allez, comme tous les Camerounais, me féliciter d'avoir eu le courage de prendre cette décision. Peut-être. C'est ce que j'ai une question. Si vous voulez tellement rompre avec le colon, avec tout ce que le colon a laissé, tant qu'on y est, changez le nom du Cameroun. Puisque le Cameroun n'est pas, il y a toujours un symbole ce n'est pas exclu. Je reviendrai peut-être dans votre programme. Mais je reviendrai certainement pour me présenter devant les Camerounais pour mon deuxième et dernier mandat de 5 ans. Et puisque vous me le proposez, je reviendrai vous voir ou je vous inviterai à la présidence pour qu'on en parle et que vous me donnez des idées. il est évident que le Cameroun ne doit que progresser. On ne doit pas rester sur place. Donc si le non vous pose problème, je suis prêt à en discuter. Pendant les 7 années à la présidence, on passera à un mandat de 5 ans, à 2 mandats, donc à un mandat renouvelable une seule fois. Et donc, je me présenterai, si la santé me permet, et les Camerounais le veulent bien sûr, pour ce deuxième mandat. Et peut-être, là, dans ce mandat-là, je présenterai ce programme. Mais je vous dis, monsieur Obama, il ne faut pas avoir peur de cette rupture. Parce qu'elle va dans le sens du bien-être des Camerounaises et des Camerounais. Il ne faut pas avoir peur du changement, parce que le surplace dans lequel nous sommes depuis 36 ans ne nous a rien donné. Donc, vraiment, quand vous m'interrogez sur le programme ou quand vous vous posez des questions sur ce programme-là, posons des questions qui peuvent véritablement informer les Camerounais sur la direction qu'on prend, mais pas des questions qui tente ou qui essaye de présenter des éléments du programme comme étant des éléments qui peuvent susciter une peur, une crainte ou qui sont extrémistes. Il y aura après la fermeture de l'ENAM. Pourquoi est-ce que je ferme l'ENAM? Je ferme l'ENAM parce que je veux que la justice soit au service du justiciable. Je veux que la douane soit au service du contribuable, je veux que le fisc soit au service du contribuable, etc. Et donc, c'est pour améliorer ces services qu'il faut absolument mettre fin au symbole même qui fait en sorte que ce service ne fonctionne pas. Vous savez, monsieur Obama, tout le monde au Cameroun aujourd'hui croit savoir que pour rentrer à l'ENAM, il faut payer. Vous comprenez? Et donc, ça... Si vous ressortez de cette école et que tout le monde se dit que vous avez payé X pour rentrer dedans, il n'y a personne, mais absolument personne qui, premièrement, vous fait confiance, deuxièmement, vous respecte. Donc pour redonner ces lettres de noblesse au fisc camerounais, à la justice, pour que les palais de justice deviennent véritablement des palais de justice et plus des commerces, il faut absolument toucher au symbole, et un des symboles forts, c'est l'ENAM. Si vous avez une telle image de l'administration, de ceux qui y travaillent maintenant, comment est-ce qu'ils vous feraient confiance quand vous arriverez? Ce n'est pas une image. Vous parlez des palais de justice qui sont des lieux de commerce, des administrateurs civils qui sont formatés. Bien sûr. Aujourd'hui, M. Obama, aujourd'hui, au quartier. Tout est mauvais alors c'est... Aujourd'hui, non, c'est pas tout est mauvais. Je suis en train quand vous en parlez. Non, écoutez, je suis en train de vous dire, aujourd'hui, quand votre voisin vous doit de l'argent, il ne paye pas. Et même, aujourd'hui, avec le nouveau code pénal, quand vous ne payez pas votre loyer, qu'est-ce qui se passe? Vous finissez au commissariat et puis ensuite au tribunal. Et c'est pour ça que je dis que c'est devenu le lieu de commerce. D'accord. C'est, ce genre de litige n'a absolument rien à faire là-bas. Quand vous allez au commissariat faire une pièce, la moitié... Vous rattrapez bien, hein? Non, ce n'est pas une question de me rattraper. Je dis ce que je vois et ce que vivent les Camerounais. Vous savez, la différence entre moi et peut-être beaucoup d'autres, c'est que je vis ça au quotidien. Je suis avec les Camerounais et ils se plaignent de cela. D'accord. Et je le vois. On va rappeler à nos amis de la régie qu'on va rattraper nos 30 minutes perdues, vraiment, qu'on a encore 30 minutes à passer ensemble. Dernière question sur le plan politique, après on va rentrer dans votre carrière politique avec quelques questions précises. L'insécurité dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, dès le 7 octobre, c'est quoi la solution? Quelle est la thérapie pour que les deux régions, ces deux régions anglophones du Cameroun, retrouvent une certaine quiétude?
Alors, il faut d'abord régler le plus gros problème. Lequel? Et le 7 octobre, le règle, c'est de mettre de côté celui qui a créé le problème, qui est Paul Biya. Ah, c'est le président Biya qui a créé le problème? Mais écoutez, c'est le président Biya. Et comment Monsieur Obama, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les populations se plaignent de quoi? D'une certaine marginalisation, des choses qui ne marchaient pas. Ça découle de quoi? Ce n'est pas ces populations qui se sont imposées cette marginalisation. C'est l'administration. Okay. Et pourquoi est-ce qu'il y avait des négociations? C'était pour corriger des errements de gouvernance de 36 ans qui n'ont pas marché. Pourquoi est-ce qu'il y a cette violence? C'est parce que le gouvernement n'a pas su répondre aux attentes légitimes d'une population. Et donc, ça veut dire que le problème n'est ni à Bamenda, ni à Bouya, mais le problème est ici à Yaoundé. Est-ce que cela peut expliquer, expliquer aujourd'hui l'indifférence du SDF face aux violences perpétrées par les bandes armées dans la partie anglophone du Cameroun? Il n'y a jamais eu un communiqué du SDF qui fustige, qui condamne les violences, les actes illégaux qui sont perpétrés. Posez-moi des questions, ne donnez pas des informations erronées aux téléspectateurs. Laissez-moi donner l'information. Quand vous dites qu'il n'y a jamais eu, il y a eu plusieurs, Monsieur Obama. Il y a eu plusieurs, résolutions du comité exécutif national qui ont condamné les violences de tous les côtés. Nous condamnons le fait que M. Biya déclare la guerre sur ces populations, mais nous n'excusons pas la violence qui vient de l'autre côté. Et nous avons demandé... Bien maîtriser la langue de Molière, vous voyez bien qu'il y a une nuance, non? Quelle nuance? Il y a bien moi, j'ai lu votre communiqué après les premières écoles qui ont été brûlées. Où vous disiez aujourd'hui, vous disiez que la violence qu'on vivait dans la partie anglophone du Cameroun était due au fait que M. Biya était toujours là. Et quand M. c'est la même chose que je dis. Vous n'avez pas dans votre communiqué condamné la violence dans cette partie. Mais on condamne toute violence, M. Obama. On a même demandé un cessez-le-feu, M. Obama. On condamne cette violence comme on condamne d'ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Obama, il y a 3 jours, le gouvernement camerounais est allé brûler la base de la SATOM, okay, qui est à Santa, tout simplement parce qu'on veut utiliser l'argent. Comment vous savez que c'est le gouvernement qui a brûlé? Mais parce que c'était gardé par des militaires. Et il n'y a aucun militaire qui a été blessé. Simplement mais ça a quand parce même que brûlé. C'est gardé par les militaires, vous affirmez mais écoutez, que ce sont les militaires qui ont brûlé. Quand un lieu est gardé par l'armée, et ensuite il prend feu, et on nous dit que ce sont des sécessionnistes qui ont brûlé la base, mais il n'y a eu aucun coup de feu. Donc soit l'armée n'était pas à sa place, qui veut dire exactement la même chose, mais moi je connais cette armée comme étant une armée professionnelle, soit on connaissait celui qui mettait le feu. Mais aujourd'hui, on brûle la base de la SATOM. Vous croyez que ceux qui réclament qu'on mette fin à cette marginalisation vont brûler la base qui sert à construire la route qui relie Babadjou à Bamenda? Jamais. Donc je suis en train de dire, Monsieur Obama, attaqués même à ceux qui travaillaient sur le terrain. Obama, Monsieur Obama. On a régulièrement vu des images comme celles-là que vous n'avez pas condamnées. Monsieur Obama, honorable. Le monopole de la recherche d'une solution est entre les mains du gouvernement. Le gouvernement camerounais, le président de la République a été élu, okay, pour maintenir le Cameroun en paix. Il n'a pas été élu, il n'a aucun mandat pour déclarer la guerre contre son propre peuple. Est-ce qu'il y a une guerre qui a été déclarée? Il l'a déclaré. Monsieur le président de la République a déclaré la guerre. Okay. Et c'est pour cela, pour justifier cette déclaration de guerre, qu'il appelle ces gens des terroristes. Okay. Et je dis et je répète, Monsieur Obama, je condamne toute forme de violence et je mettrai fin à la violence. Au lendemain de mon accession, je mettrai fin à la violence parce qu'il faut d'abord mettre fin à la violence et ensuite essayer de régler le problème. Et pour régler ce problème, Monsieur Obama, et je vois que c'est là que vous coincez, pour régler ce problème, il faut d'abord reconnaître le problème. Mais bien sûr, le problème, Monsieur Obama. Vous avez une facilité à trouver. Allez-y, honorable. Le problème dans le nord-ouest et sud-ouest est politique. Joshua aussi, président de la République, n'aura pas de prisonniers politiques. Les problèmes politiques seront réglés dans la sphère politique et pas par les armes. Okay? Et donc, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, pour régler ce problème dans le nord-ouest et le sud-ouest, il faut mettre fin à la violence et immédiatement, et il faut reconstruire des ponts, comme d'ailleurs le cardinal Toumi veut bien le faire, et je me réjouis
que c'est pendant mon mandat qu'il va finalement tenir sa réunion. Et il faut avoir le courage d'humaniser les conflits. Humaniser les conflits, ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter chaque personne, même si la personne a tué quelqu'un, avec un certain degré d'humanité. Je condamne toute forme de violence, je condamne encore plus tout ce qui touche à nos forces de défense. Mais je dis une chose, la responsabilité de la résolution de ce conflit est entre les mains du président de la République. Il a été incapable de résoudre le conflit de Boko Haram. Il est incapable de résoudre le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est la raison pour laquelle les Camerounais doivent impérativement, le 7 octobre, faire le choix d'un candidat qui a la capacité d'amener, de mettre fin immédiatement à la violence et ensuite ouvrir des discussions pour finalement mettre fin au conflit lui-même tel qu'il est. Et pour ce faire... Comment on met fin à ce conflit face à ces Camerounais qui réclament l'indépendance de cette partie du pays? Écoutez, ils réclament... Ce n'est pas un crime que de réclamer l'indépendance. Et comment on met ce n'est pas un crime... Ce sera quoi la négociation? C'est l'État indépendant que vous l'avez proposé? Je ne parle pas de négociation, je parle de dialogue. Ce n'est pas un crime d'avoir une idée. Et vous savez, ce qui est détestable dans la façon que M. Biya utilise pour régler ce problème, c'est qu'on n'a encore jamais réussi à tuer une idée. À chaque fois qu'on veut tuer une idée, à chaque fois qu'on tue des gens qui portent une idée, au fait, on rend l'idée encore plus grande. Et donc, je suis en train de vous dire que dans mon programme politique, je propose une conférence nationale de réconciliation, de vérité, de justice, vérité, réconciliation réparation. Monsieur Toumi, le cardinal Toumi, son éminence, le cardinal Toumi, je ne me permettrai pas de l'appeler comme vous, propose un dialogue intra-anglophone pour pouvoir trouver un début de solution. En fait, il crée un pont. Et quand vous avez un problème de conflit comme celui-là, tous les ponts sont le bienvenu parce que c'est à travers ces ponts qu'on pourra justement discuter par la suite. D'accord. Mais... on nous fait les grands signes, c'est fini. Allez-y, rapidement, allez-y. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en plus de cela, il faut avoir le courage, comme on l'a commencé dans l'extrême nord, et comme c'est le cas dans tous les pays, il faut désarmer ces gens. Et vous ne pouvez pas désarmer des gens avec des armes. Et il y a tout un programme à mettre sur place. On peut même demander l'expertise des pays qui sont passés par là. Donc il faut un programme de désarmement et de réinsertion dans la société de ces gens-là. Et ensuite, seulement ensuite, qu'on apporte dans le problème de fond sur la table. Mais vous savez quoi, Monsieur Obama? Ces jeunes, que ce soit les jeunes Boko Haram, que ce soit les jeunes se réclamant de l'Ambazonie, il n'y a aucun qui a démissionné à Vision 4 pour y aller. Il n'y a aucun qui a démissionné dans une entreprise pour y aller. Okay? Donc il faut d'abord aller au premier point de mon programme, créer l'emploi jeune. Il faut pouvoir réinsérer la jeunesse dans notre société et lui donner toute sa place, que les gens puissent... dignement gagner leur vie, qu'il n'y ait aucun Camerounais qui gagne moins de 160 000 francs, doubler les salaires des fonctionnaires pour revenir à notre discussion initiale. Comme cela, vous n'aurez pas des jeunes qui seront tentés à prendre des armes contre nos forces de défense, à prendre des armes contre d'autres Camerounais, tout simplement parce qu'ils seront occupés à travailler, ils seront occupés à rêver, à construire leur avenir. Ils seront occupés tout court. Ils seront occupés. D'accord. On revient à vous pour quelques dernières questions pratiques avant de mettre un terme à ce programme. On a la nette impression que l'ombre de John Fundi plane sur votre candidature, au point où certains disent que vous êtes un candidat sous tutelle. Quelle sera la place de M. Fundi dans votre gouvernement si vous êtes élu le 7 octobre prochain? Écoutez, ni John Fundi est le président du SDF. Il souffre d'aucune contestation dans cette position-là. Qu'est-ce qui devient la preuve de victoire? Mais écoutez, je suis dans un parti social-démocrate, un parti à une tradition anglo-saxonne.
tous les partis, dans la plupart des pays dans le monde, ont des présidents de parti. Et le poste, dans les statuts du SDF, le poste de président de la République est incompatible avec celui de président du parti ou même vice-président du parti. Donc M. Fundi va rester président du SDF, point. Écoutez, pour l'instant, c'est la place qui est la sienne. Il est évident que M. Nijon Frundi a été élu président de la République en 1992. Il est évident que M. Nijon Frundi a beaucoup donné. C'est M. Biya qui a été élu. Non, M. Honorable. Il n'y a aucune contestation là-dessus que M. Biya a fait un hold-up électoral ou ce qu'on appelle en français correct un coup d'État politique en 92. Aucune contestation là-dessus. On a les archives venant de partout, donc vraiment, je n'entre pas dans ce débat. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que M. Biya a été élu en 92. Il n'a pas été élu, M. Obama. Il est président de la République depuis. Il a fait un coup d'État politique pour se maintenir au pouvoir en 92. Donc, M. Obama, on passe. Il nous reste un peu de temps. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Le temps est le vôtre. Vous me posez une question, allez, ne me faites pas donner la moitié de ma réponse. Je suis en train de dire que pour ce que M. Nijon Frundi a fait pour la paix dans ce pays, parce que quand on lui a arraché sa victoire de 92, il aurait pu déclarer la guerre civile, il avait même les moyens de faire rentrer ce pays en pleine guerre civile, et il avait beaucoup d'autres moyens, il aurait pu faire un gouvernement parallèle, il a choisi la voie de la paix. D'accord. Et rien que pour ça, les Camerounais devront être reconnaissants. Donc il reste président du SDF, mais vous êtes président de la République, c'est comme ça. Mais écoutez, je crois que pour l'instant le candidat c'est bien. D'accord, ok. Qu'est-ce qui a changé en vous depuis, sur le plan politique, l'approche que vous avez des choses du pays depuis que vous êtes député? Est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, il y a l'expérience de la fonction élective, il y a le fait que je suis rapporteur spécial à l'Assemblée nationale, le fait que je suis dans la commission de finances, qui me rapproche un peu plus des finances publiques, le fait que je suis député dans une grande ville, au fait que je suis député pour défendre les intérêts des plus grands contribuables camerounais, donc je comprends beaucoup mieux les souffrances des entrepreneurs camerounais, et je suis député d'une ville qui crée le plus d'emplois au Cameroun, donc je comprends aussi l'équation emploi jeune, l'équation travail. Voilà. Paul Biya est président de la République depuis quasiment 36 ans. Et est-ce qu'il y a quelque chose en lui que vous pourriez emprunter au cas où vous devenez président de la République? Alors, je vais être clair avec vous. Je crois que ce que m'inspirent les 36 ans de M. Biya au pouvoir, c'est qu'il ne faut pas rester plus que 2 mandats, c'est qu'il ne faut pas s'éterniser au pouvoir, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on a le monopole de la décision, qu'on a le monopole des idées, et il faut aller à la rencontre des Camerounais, il faut voyager. Si je serai le président qui ira visiter tous les chantiers... Rien à prendre, M. Biya ? Mais c'est ça que je prends. J'aurais pu devenir un président qui reste dans son bureau, mais je serai le président qui ira visiter... Mais vous ne prenez rien. Je prends, c'est ce que je prends. Je serai le président qui ira visiter tous les chantiers engagés, tout simplement parce que j'ai vu que lui n'est jamais sorti. Et pour cette raison, il a passé 36 ans à mettre les premières pierres, mais jamais à inaugurer. D'accord. Donc, si ce n'est pas une leçon, vous voulez que ce soit quoi? C'est une leçon pour moi. Merci beaucoup. Qui sera votre Premier ministre au cas où vous êtes élu? Écoutez, ça se décidera dans la foulée, ce Premier ministre sera... Francophone ou anglophone? Ce Premier ministre sera un Premier ministre de courte durée, parce que dans la disposition fédérale de l'État que je propose, il n'y a pas de poste de Premier ministre. D'accord, il sera francophone ou anglophone? Écoutez, on verra. Le moment venu. Bien sûr. D'accord. Quelle qualité reconnaissez-vous en ces autres candidats, les 8 autres, du moins les 7 autres, en dehors de M. Biya, Kamtou, Akérémouna, Kabal, Libi, Matoma? Parce que vous-même reconnaissez que M. Biya n'a pas de qualité? Non, c'est parce que on a parlé de M. Biya déjà. Vous avez dit qu'est-ce que je prenais, vous ne m'avez pas dit quelle qualité je voyais en eux. Donc c'est pas bon, la même question. J'ai inclus M. Biya, ça vous convient, les 8 autres candidats. Alors, j'ai du respect pour tous ces candidats. Tous. J'ai la chance d'avoir... Tous. On a beaucoup. Sur Kamtou que vous avez... J'ai beaucoup de respect. Tout ce que j'ai dit sur M. Kamtou, qui a été enregistré à mon insu, d'ailleurs... À votre insu. À mon insu. Donc, c'est vrai. C'est vrai, je le dis. Tout ce que j'ai dit
dans cette bande sur laquelle vous faites allusion est on ne peut plus correct. Vous pensez que M. Compton ne peut pas être président de la République? Écoutez, je ne peux pas être dans la même élection que lui, gagner, et lui aussi gagner. Donc moi, je sais que je vais gagner, donc pourquoi il est évident que... Pourquoi lui ne devrait pas être le gars qui gagne également le 7 octobre prochain? Monsieur Obama, premièrement, ce n'est pas un gars, c'est un candidat à l'élection présidentielle. Donc remettez, donnez-lui tout le respect. Mais pourquoi le professeur Compton ne peut pas être le monsieur qui gagne le 7 octobre prochain? Parce que je serai celui qui gagne. Donc il n'y a pas deux places, il n'y a pas un fauteuil pour deux. Vous avez dit dans votre interview, entre parenthèses, que M. Compton a passé du temps dans le gouvernement et qu'il est ressorti quand il a su qu'il ne sera plus au gouvernement. Vous pensez qu'il est opportuniste? Écoutez, je ne suis pas venu faire le procès d'un autre candidat. Je vous ai dit que j'assume tout ce que j'ai dit. Maintenant, vous pouvez aller revisiter ce que j'ai dit, ou après l'émission, vous pouvez repasser la bande de ce que j'ai dit, et je dis aux Camerounais que j'assume tout ce que j'ai dit. D'accord. Mais je ne suis pas venu ici pour débattre ou discuter de cela. Le professeur Compton, c'est quelqu'un sur qui j'ose croire je pourrais compter en tant que président de la République. Et on pourra travailler ensemble. Comme membre du gouvernement quand vous serez élu? On n'utilise pas les Camerounais uniquement comme membre du gouvernement, monsieur Obama. Vous savez, vous pouvez même être plus utile à la République et pas nécessairement... Vous serez prêt à travailler avec M. Compton si vous êtes élu? Je vais travailler avec tous les Camerounais. C'est le mandat que les Camerounais donneront. Est-ce qu'il y a, dans le gouvernement actuel de la République du Cameroun, quelqu'un que vous pouvez prendre pour travailler avec vous? Écoutez, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un dans le gouvernement qui pourra travailler dans mon gouvernement pour des simples raisons de symbole à nouveau. Mais cela n'enlève rien à ceux qui peut-être... Un peu comme Macron en France, non? Ça n'enlève rien à ceux qui pourront avoir les qualités de faire partie de ce gouvernement-là. Donc nous serons... je mettrai en place un gouvernement de conquérants. Et si vous y voyez des conquérants aujourd'hui qui sont bloqués par l'inertie du système en place, peut-être après l'émission, vous pouvez me souffler quelques noms. Mais pour l'instant, je pense qu'on aura un gouvernement d'un maximum de 20 départements. Nous travaillons sur 15. Et je peux vous dire que nous n'allons pas chercher à avoir 63 ministres pour satisfaire chaque village et chaque parti politique. Nous allons travailler, nous allons mettre sur pied un gouvernement de conquête, un gouvernement de croissance, un gouvernement au service des Camerounaises et des Camerounais. Et nous prônons cette rupture-là et nous n'avons pas peur de la prôner. Et donc, vous voyez, quand on passe de 63 à 15, il est difficile d'utiliser... Tout le monde. Il est difficile d'avoir 15 ministres qui d'ailleurs pour la plupart se connaissent déjà aujourd'hui et encore faire revenir ceux qui ont été au pouvoir pendant 36 ans. On va sortir de l'entretien, juste un tour dans votre jardin secret. De quoi vis-je toi aussi? Écoutez, je suis député de la Nation, donc je vis avant, vous vivez de quoi? Je suis actif dans la vie professionnelle, c'était votre introduction. Homme d'affaires. Je ne suis pas un homme d'affaires parce que je ne suis pas un investisseur invétéré. Je me considère plutôt comme entrepreneur. Entrepreneur. Vous gagnez des marchés publics? Jamais. Vous n'avez jamais gagné des marchés publics? Jamais, monsieur. Vous n'avez jamais loué les avions pour le président de la République? Écoutez, je suis probablement le seul candidat à cette élection qui n'a jamais par volonté, par choix. Et aussi parce que je n'ai même jamais eu l'occasion bénéficier de la commande publique. Mais alors jamais. Jamais. Est-ce que c'est vrai que les fils du chef de l'État vous appellent tonton? Écoutez, je ne me rappelle pas. Donc je ne me rappelle pas. Vous les avez déjà rencontrés? Je ne me rappelle pas avoir rencontré les fils du chef de l'État. Je peux vous dire, si c'est ça qui vous inquiète, que la première dame a eu des enfants avant son mariage qui ne sont pas les fils du chef de l'État, que j'ai connus dans leur tendre enfance et qui, j'ose croire, m'affectionne toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais ça se limite à cela. Donc je n'ai jamais rencontré un enfant du chef de l'État. Est-ce que c'est vrai que je suis aussi de Kribi? Non. Vous n'avez aucune parenté dans le sud Cameroun? Écoutez, je suis Golo Batanga, donc je suis foncièrement... Aucun lien avec la famille Benaé? Non. Aucun. Non, aucun lien de sang. Aucun lien de sang? Voilà. Et un autre lien alors? Non, mais on est de la même contrée, on est pratiquement du même village, mais il n'y a aucun lien de sang. D'accord.
Que feriez-vous? Et vous savez, c'est cette façon d'être proche des gens et qui fait en sorte que quand vous circulez, les gens vous appellent tonton, les gens vous appellent mon frère. Et ensuite, on crée toute une image, une interprétation autre que celle qui est la vérité. Donc, je suis plutôt fier de cela. Hein. C'est pas, je ne le fuis pas. Je vous dis juste, je restitue les faits. Et si vous m'auriez demandé ça avant l'émission, je vous aurais dit ça. Je restitue les faits. J'ai une très grande famille. Je suis plus ou moins le chef de famille. J'ai une immense charge familiale. Donc je ne fuis pas les responsabilités familiales, je ne suis pas celui qui fuit la responsabilité d'être tonton, mais je suis le tonton de milliers de jeunes qui sont pas qui n'ont pas forcément le lien de parenté avec moi. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que je fais une grande distinction entre la politique et ce que beaucoup de gens à Yaoundé mettent en avant et apprécient, c'est-à-dire la politique des hommes. Et vous conviendrez avec moi que je n'ai jamais été sur un plateau avec vous où vous m'avez jamais vu en train d'insulter quelqu'un ou en train d'essayer de diminuer quelqu'un. Si je parle quand je parle en politique, je parle des idées, je parle de projets, je parle de vision et je peux attacher les manquements, je peux attacher les échecs sur la personne qui l'incarne, qui est M. Biya, mais j'irai jamais m'attaquer aux personnes. D'accord. Jamais. Et d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que tout ce que j'ai dit dans cette bande sonore, vous ne le répétez pas. Je ne le regrette pas. S'il faut le répéter, je le redirai parce qu'il n'y a rien dans tout ce que j'ai dit que j'ai inventé, mais ce n'est pas la place aujourd'hui quand on est dans une élection présidentielle. Quelques semaines de l'élection, d'essayer d'utiliser une polémique comme celle-là pour diminuer les chances d'un candidat. Que feriez-vous si vous êtes élu des ceux qui sont aujourd'hui en prison dans le cadre de l'opération Épervier, Marafa Amidou Yaya, Jean-Marie Atangana Mobara? La presse les présente régulièrement comme des prisonniers politiques. Je vous ai dit, vous disiez tout à l'heure que personne ne sera en prison. Monsieur Obama, je vous ai dit que il n'y aura aucun prisonnier politique. Vous pensez qu'ils sont en prison? Dès que je suis fait parce qu'ils sont des... Je vous dis, des actes politiques qui ont été pris. Monsieur Obama, il n'y aura aucun prisonnier politique. Et d'ailleurs, une de mes propositions dans mon programme politique, c'est aussi la suppression du tribunal criminel spécial, qui n'a pas sa place dans notre dispositif judiciaire. Il n'y a rien qui se passe là-bas qui ne peut pas être fait dans un autre tribunal. Et je pense que rien que le fait de créer ce tribunal-là veut dire qu'on apporte, en fait, on essaye d'utiliser la justice pour apporter des solutions aux problèmes politiques de l'heure. Et c'est pour ça que je dis, et je le dis haut et fort, qu'il faut passer par une sorte de conférence. Ça ne sera pas une décision, par exemple, ceux qui sont en prison aujourd'hui et dont on croit que les faits sont indiscutablement politiques, ils doivent être libérés. On a détruit la vie du professeur Titus Edzoua comme ça. Il n'avait rien à faire en prison, absolument rien. Je pense qu'aujourd'hui, si vous demandez aux Camerounais si M. Marafa voulait quelque chose, ils ne pourront pas vous donner un chiffre. Et pour essayer d'édulcorer un peu, de donner de la couleur un peu à ce tribunal, on prend quelques personnes qui, dans l'imaginaire populaire, rendre la perception d'avoir vraiment volé pour faire croire que tout le monde qui passe par ce tribunal est dans le même cas. D'accord. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez des gens qui sont en prison depuis 3-4 ans, qui n'ont jamais été jugés. Comment vous pouvez garder des êtres humains en prison pendant 3-4 ans sans jamais les juger et me faire croire que ce n'est pas politique? C'est impossible, c'est impensable. On va sortir par là. Vous avez un chauffeur? Oui. Combien d'un par mois? Je n'ai pas le droit de donner le salaire. Est-ce qu'il est quand même au-delà du SMIC que vous proposez? Non, mais il est au SMIC. Il est au SMIC, mais avec ses avantages, il est loin au-dessus. Loin au-dessus, les avantages. Est-ce que les avantages sont dans le salaire? Bien sûr. Il est d'où, votre chauffeur? Pardon? Il est d'où? Il est de Bonabéry. Bonabéry, il est d'où, là? Voilà. Et votre maître d'hôtel? Je n'ai pas de maître d'hôtel. C'est vous qui faites à manger chez vous? Mais écoutez, c'est une de mes passions. Ah, vous faites à manger? Je fais à manger.
C'est quoi le plat préféré de Monsieur Joshua? Ben écoutez, ce n'est pas forcément le plat préféré qu'on mange qui est le plat préféré qu'on cuisine. J'ai demandé celui que vous préférez. J'ai une aide domestique. Ouais. Qui est de Bonabir aussi? Non, qui n'est pas, qui est Bamoun. Mm-hmm. Si c'est ça la question. Une aide domestique qui est Bamoun, qui est presque comme une petite sœur à la maison et avec qui je chemine depuis bien des années. Et voilà, qui est membre de la famille aujourd'hui, que je ne considère plus comme une employée. Voilà, donc j'ai des aides autour qui sont dans le même cas de figure, que je considère plus comme des membres de la famille que des employés. Mariés? Bien sûr. Vous dites qui, mes aides domestiques ou... Ah, je demande si vous êtes marié. Ah, bien sûr. Des enfants? Bien sûr. Vous ne portez jamais l'alliance? Mais parce que je ne mets aucun signe extérieur de... comment dirais-je, les alliances, c'est une tradition judéo-chrétienne à laquelle je ne m'attache pas. Vous ne me verrez jamais avec une bague. La seule chose que je mets, c'est non, pas du tout, je suis fils de pasteur. Je dis tradition, je n'ai pas parlé de religion. La tradition judéo-chrétienne et la religion sont deux choses différentes. La spiritualité, la religion et la tradition, trois choses. Vous parlez combien de langues? Plusieurs. Lesquelles? Je ne suis pas une interview d'embauche, Monsieur Obama. Je suis venu ici parler de mon programme. Je parle les deux langues nationales du Cameroun et cela suffit déjà pour faire de moi un bon président. Le reste, c'était beaucoup plus utile pour trouver un bon travail. Le SDF depuis 92 et la victoire, la pseudo-victoire de 92 est allée... Il y a une descente, hein, au fur et à mesure, le nombre de députés, le nombre de conseillers municipaux, le nombre toutes les élections, on voit bien qu'il y a l'épaisseur politique du SDF qui s'effrite aujourd'hui, le 7 octobre prochain. Qu'est-ce qu'il vous fait croire que vous serez élu après l'échec du chairman, qui est le fondateur du SDF, le leader, adulé, adoubé? Pourquoi vous serez élu là où lui il a échoué? Premièrement, il n'a pas échoué parce qu'il a gagné l'élection de 92. Il faut restituer les faits. Deuxièmement, et j'ai déjà dit ça, je vous ai déjà dit ça à maintes reprises, mais je vois que vous insistez, il ne faut pas confondre des résultats électoraux biaisés avec l'implantation et l'importance d'un parti politique. Et même si vous voulez le prendre en considération, prenez en considération la position de ce parti. Okay? Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, je suis député d'une circonscription qui a, d'après le compte administratif, presque 800 000 habitants. Mon voisin est député d'une circonscription qui a plus de 800 000 habitants, dans la deuxième. Il est seul. Nous, on est trois. Aujourd'hui, j'ai des députés à l'Assemblée nationale qui ont des circonscriptions de 2000 habitants. Alors, quand vous faites un découpage électoral pour vous donner la majorité à l'Assemblée nationale, ça ne veut pas dire que vous avez la majorité des voix des Camerounais. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, depuis plus de 2 ans, ou oui, un peu plus que 2 ans, vous avez une crise violente dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quand le SDF avait la majorité des communes et des députés dans le sud-ouest, il n'y a jamais eu effusion de sang. Vous êtes passé par le marchandage politique, par des manipulations administratives, etc. C'est pas moi. Etc. Pour donner une majorité de présence du RDPC dans le sud-ouest. Je prends l'exemple du sud-ouest que je maîtrise. Aujourd'hui, dans le sud-ouest, le SDF n'a plus qu'un seul député et contrôle à 100% une seule mairie, c'est celle de Koumba. Dites-moi le seul endroit où il y a la paix sociale dans le sud-ouest depuis le début de cette crise, c'est là où il y a les élus du SDF. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été élus démocratiquement et ils jouent le rôle de relais. Sauf s'il y a des complicités également. Hein. Ils jouent le rôle, même s'il y a des complicités, pour qu'il y ait zéro effusion de sang, d'accord, des deux côtés, je les félicite. Et ce que je suis en train de dire, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a ces violences dans le reste? Parce qu'il n'y a plus de relais entre les gouvernés et les gouvernants. Quels sont ces relais-là? Ce sont ceux qui gagnent. Ça veut dire
Qu'est-ce que ça veut dire, M. Obama? Ça veut dire que ceux qui ont été élus n'ont pas été démocratiquement élus. Parce que s'ils étaient démocratiquement élus, leur parole aurait prévalu, ils auraient pu demander aux gens d'arrêter la violence, de retourner au calme, mais ils n'ont pas pu. D'accord. Parce qu'ils ne représentent pas les intérêts de ces populations. Et c'est la même chose partout. C'est compris. Okay? Donc quand vous revenez avec votre théorie sur la diminution de l'importance du SDF, rappelez-vous d'une chose. Si il y a la paix au Cameroun depuis 28 ans, c'est à cause du SDF. D'accord. On va vous accorder les 2 minutes habituelles pour parler au peuple camerounais, pour essayer, du moins, convaincre les électeurs. Mais peut-être un dernier renseignement, ce n'est pas une question. On parle d'une coalition de l'opposition avec 5 candidats. Vous voulez en faire partie? Si oui, qui en sera le leader? Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je dis et je répète que j'ai discuté avec tous les candidats sauf un à cette élection. Lequel? Ah, le président. Celui qui n'est pas au Cameroun. Il faudrait que j'aille à l'hôpital à Genève pour discuter avec lui. Et c'est peut-être celui qui a le plus besoin d'une coalition en ce moment. Il est à Genève. Écoutez, si vous étiez avec lui, renseignez-nous. Mais pour les Camerounais, on sait très bien où il va. Donc, j'étais en train de dire, M. Obama, que j'ai discuté avec tous les candidats sauf un, celui qui a le plus besoin d'une coalition peut-être, et nos portes sont grandes ouvertes. Et non, c'est tous, possible ces candidats, d'avoir une coalition de tous ces candidats savent exactement où nous nous tenons, ce qu'on attend. Il y en a avec qui on est allé un peu plus loin dans les discussions, d'autres un peu moins. Il est évident qu'on va vers la victoire le 7 octobre, ce qui se décide en ce moment, c'est la façon d'y aller. D'accord. Et donc, est-ce que vous serez prêt à soutenir un candidat, à laisser votre place pour être derrière un candidat? Écoutez, si c'est dans l'intérêt du peuple camerounais, oui, mais pour ça, il faut un congrès extraordinaire du SDF. D'accord. Il faudrait le mandat que j'ai, c'est de me présenter à l'élection présidentielle. Je n'ai pas le mandat d'aller donner un mandat à M. Obama ou qui que ce soit. Je ne suis pas candidat. Vous avez 2 minutes pour essayer de convaincre les électeurs, sans interruption. Écoutez, je ne m'attendais pas à cet exercice, mais merci bien de me donner 2 minutes. Je ne vais pas essayer de convaincre les électeurs, parce que sinon vous me mettez en faute avec en porte-à-faux avec la loi. La campagne électorale s'ouvrira le 22 septembre, 15 jours avant le 7, et dès qu'elle s'ouvrira, je viendrai me présenter devant vous et vous dire pourquoi il faut voter pour moi. Pour l'instant, j'aimerais juste insister sur des points qui ne font pas partie d'une campagne présidentielle parce que je ne veux pas tomber dans le piège de la violation de la loi pour une annulation de candidature. J'aimerais dire ici que le 7 octobre, pour la jeunesse camerounaise, pour les Camerounais, pour les Camerounaises, pour la femme camerounaise, pour les travailleurs camerounais, pour les sans-emploi camerounais, sera un jour de référendum. On pourra choisir entre le statu quo ou entre des changements qui s'imposent. Et quand un changement s'impose, ça s'appelle une rupture. Je suis candidat à cette élection présidentielle parce qu'il faut cette rupture, parce qu'il faut passer à autre chose, parce qu'il faut tourner la page de 36 années d'immobilisme. Il faut arrêter la guerre partout au Cameroun. Il faut arrêter la violence partout au Cameroun. Il faut ramener le travail et surtout le travail pour les jeunes. Il faut remettre ce pays entre les mains de la jeunesse et il faut surtout avoir le courage de supprimer tout ce qui nous fait mal depuis 36 années. Et je vous dis, le 7 octobre, vous aurez le choix de retrouver notre pays. Tout simplement, si vous me permettez, si je ne suis pas encore à la fin, de dire qu'à l'indépendance de ce pays, nous avons décidé que ça sera un pays de paix, de travail et de patrie. Aujourd'hui,
nous n'avons plus de paix, nous n'avons plus de travail, nous n'avons plus de patrie. Le 7 octobre, nous pouvons retrouver la paix, le travail et le travail décent pour tous et surtout pour les jeunes et la patrie. Et donc, vous savez ce que vous avez à faire. Il faut avoir le courage nécessaire de, le 7 octobre, de faire ce choix pour transformer cette élection présidentielle en véritable référendum. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se trompe. C'est terminé. Hein. Lors de l'élection, lors de la discussion tout à l'heure, on a essayé de me faire glisser dans un débat qui n'était pas le mien. Mais je ne suis pas tombé dans ce piège parce que j'aimerais vous dire qu'il y a dans cette élection un adversaire du candidat du SDF que je suis, c'est le président sortant, et un candidat qui est le président gagnant et beaucoup de concurrents. Donc il ne faudrait pas qu'on se trompe lors de cette élection pour croire qu'il y a un choix multiple. Il y a un choix entre le statu quo et le changement. Moi, je suis pour le changement, j'espère que vous aussi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi le programme. Nous étions avec Joshua aussi, candidat du social-démocratique Front à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Vous l'avez suivi, on espère qu'il reviendra pendant la campagne électorale pour une confrontation. Est-ce que vous irez à l'émission 100% présidentielle à CRTV affronter un autre candidat ou alors un militant du RDPC? Écoutez, je n'ai pas encore été invité, donc il faudrait d'abord, je ne peux pas vous dire que j'irai à une émission pour laquelle je n'ai pas été invité. Merci. Donc vous êtes prêt à aller affronter nos... Il faut que je reçoive d'abord l'invitation et ensuite je verrai si j'y vais. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi le programme. On dit merci à toute l'équipe de production. Merci au candidat Joshua aussi d'avoir été avec nous. Nous allons tout faire pour recevoir les autres candidats. Le professeur Maurice Kamtou, le président du MRC. Monsieur Gargaman Hadji, président des ADD. Monsieur Adamou, le docteur Adamou Ndamdjoya, le président de l'UDC. Et bien sûr, pourquoi pas le président Paul Biya, le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On essaiera de donner la parole à tous les candidats en lice pour cette élection présidentielle du 7 octobre prochain. Merci à Jide Angoula, merci à Willy Tchunke, à Bruno Bidjan, à Sebri Akono, Daniel Feugué, Baboulé Mvongo, bien sûr nos jeunes Akono qui étaient avec nous ce soir. On dit merci également à tous les stagiaires qui sont avec nous en studio ce soir. Le programme a été supervisé par le président directeur général du groupe Anecdote, Jean-Pierre Amougou-Belinga. On dit également merci à monsieur Wafo du Social Démocratique Front qui nous a aidé à entrer en contact avec monsieur Joshua aussi. C'est votre directeur de campagne? Non. Vous n'avez pas encore un directeur de campagne? Monsieur Wafo est membre du Shadow Cabinet. Il est adjoint au maire de... Qui sera directeur de campagne? Pardon? Votre directeur de campagne. Écoutez, le directeur de campagne sera annoncé aux membres du parti avant de venir faire l'annonce chez vous. Là, je vous ai dit tantôt que la campagne démarre le 22 septembre. Merci, c'est compris. Ne manquez pas, on vous remercie tous d'avoir été avec nous. Ce soir, la rediffusion du programme est prevue mardi prochain à partir de 14h. Ne manquez pas, dimanche à 11h, votre programme Club d'élite. On va revenir sur l'offre des candidats à l'élection présidentielle, l'offre politique des candidats à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Vision 4 Télévision. N'oubliez pas, le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Bonsoir.